Seigneur Jésus, mon oncle, désolé, s'il te plaît, ne te fâche pas, s'il te plaît. Je n'ai pas vu que t'étais derrière moi. C'est bon. Santo. Hein? Tu sais pourquoi? Non, mais rapproche-toi. Je suis déjà là, mon oncle, qu'est-ce qu'il y a? Écoute, tu sais, je meurs vraiment d'envie de goûter à ces petites oranges, au moins. Oncle, t'es vraiment stupide. Tu es vraiment, vraiment stupide, oh. Tu n'as pas de cervelle. C'est quoi ces conneries que tu racontes? Quelle orange? Mes seins sont devenus des oranges pour toi? C'est quoi ces bêtises que tu racontes? C'est bon, doucement. Que je me calme? Ça veut dire quoi que je me calme? Ça veut dire quoi que je me calme? J'aimerais juste les goûter. Même si c'est juste une fois, je veux simplement les goûter. Tia! Oncle, tu es une abomination. Voilà. Qu'est-ce qui cloche toi? Tu es censé être mon oncle. Non, arrête de me demander de me calmer. C'est quoi? Calme-toi. C'est quoi ces conneries que tu racontes? Tu es censé être le frère de mon père. Et tu me dis que tu veux goûter. Goûter quoi? Mais ça... De quel frère est-ce que tu parles? De quel frère? Mais je... Pardon, dégage, ma malade mentale. Prends tes distances. Tu n'es qu'un malade mental. Regarde-moi ça, honte à toi. Oncle, honte à toi. Viens prendre. Mais ça, idiot. Regardez-le, il n'a même aucun scrupule. Cinglé. Alors on en Pardon, est là dégage maintenant. D'ici. Il est beau, fouet, fio. À quoi moi, qui coûte? Il est beau, fouet, fui. Tu n'as vraiment aucun. Ma caca, de quel frère est-ce que tu parles? C'était mon frère, c'était le frère de mon père. Quel frère? Et quoi? Efa, Kamadou. Oburu, fouonou. C'est quoi ces bêtises? Il est beau, fouet, fio. Au moins, qui coûte un ara? Il est beau, fouet, fi. En noir, hein. N'importe quoi. Maman, préviens Maziondo. Tu dois le prévenir. Ta mère est malade. Parle à voix basse. S'il y a un problème, viens me le dire à moi. Maman, peux-tu croire que Oncle Udo m'a demandé de coucher avec lui? Eh oh! Comme tu l'entends. Okiara, dois-tu coucher avec lui? Imagine. Qu'est-ce qu'il lui prend? Je ne sais pas. Ne t'inquiète pas. Avertis-le. C'est bon. Je vais lui parler. Ta mère est malade. Ne crie pas. Maman, on est désolé, hein? T'en fais pas, hein? Demain matin, j'irai t'acheter les médicaments, ok? Aïe! Le diable est un menteur. Hey, doucement. Où est-ce que t'es? Va l'aider. Somto, mais où est-ce que tu étais? J'étais dans le coin. Allez, viens t'asseoir. Mais je t'ai cherché partout. Viens t'asseoir. Allez, vas-y, doucement. Viens, assieds-toi. Mba, nounou. Tchénou, mba. Doucement. Oh, yabori, nou. Doucement. Somto, où étais-tu? Hein? J'ai faim. Comment peux-tu me punir, hein? Hein? Mais je t'ai donné le gari ce matin, non? Que viens-tu dire? Le matin? Ouais, quelle heure il est maintenant? Hein? C'est déjà le soir. J'ai faim. Somto, je veux manger. Ongwan, c'est bon. Je vais te donner à manger. Kenechu, je suis là. Je te donnerai à manger. Ok? Ok. Mais maman, Kenechu mange beaucoup. Comment? Kenechu mange trop. Comment? Ah ah. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ça veut dire quoi? Comment? Mais qu'est-ce que tu dis? Tu manges trop. Mais je veux manger. Je vais te donner à manger. Tu dois contrôler ta façon de manger dans cette maison. Tu le dois. Kenechu mange c'est trop. C'est bon. Votre mère est malade. Faites moins de bruit. Un mot de plus, je vais te frapper avec mon bâton. Laisse-moi tranquille. Je te l'ai dit, laisse-moi tranquille. Charity, laisse-moi tranquille. Où est-ce que tu vas? Charity, reviens ici. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Fiche-moi la paix. Je vais... Charity, arrête de me suivre. Laisse-moi tranquille. Maman, balle à ta fille. Reviens. Je vais te tuer. Tu ne peux pas. Je ne peux pas c'est te tuer. C'est quoi le problème? Lâche-moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Lâche-moi. Qu'est-ce que vous faites? Lâche-moi. Tu fais la gueule. C'est à vous que je m'adresse. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez ça. Je vais te tuer aujourd'hui. Lâche-moi. Je vais tuer cette fille. Lâche-moi. Attendez. N'importe quoi. Vous pouvez vous taire? C'est à vous que je m'adresse. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Tu es très stupide. Okuma. Je n'ai qu'une idiote. Moi, stupide? Qui t'a demandé de nous séparer? Qui t'a invité ici?
Attends. Charity, c'est à moi que tu t'adresses. Moi, Santo, c'est à moi que tu parles. C'est à moi que tu t'adresses. Oh, ouais, y'a Mika, ouais, bobo, bobo, y'a. C'est laissé. Oui, c'est à toi que je parle. Je parle à ton esprit, idiote. Maman, oui, Makade. Maman, bako. En fait, tu connais ton problème. Niko, bako. Niki, woki, poki, weta. Respect, c'est ça. Tu oses encore parler? Bien sûr. Je dis, arrête ça. Essaye. Arrête ça. Charity, essaye. On gué, pas y'a pas quoi. Je dis, arrête ça. Voilà. Oloti. Tu vas arrêter ça? C'est elle. Tout ce que tu sais faire, c'est de. Je vais te battre dans cette maison. Hein? Je vais te traiter. Je vais te traiter. Madame, c'est pas ton problème, non? Pourquoi je te laisse? Pourquoi? Demande-lui, sinon je t'aurais... Je sais pourquoi je te laisse, oh. Parce que t'es ma jeune sœur, tu comprends? Hier encore, je t'ai vu grandir. Tu es ma jeune sœur, sinon... Hey! Si ce n'était pas le cas... Dieu, mon garde! Jeune sœur, voilà ce que je fais de ça. Hein? Qui est cette fille, oh? Je ne la connais pas. On n'est pas parenté. Je n'ai pas ma sœur. Pourquoi m'appelles-tu ça? Est-ce que c'est forcé? T'as-je dit un jour qu'on était parenté? Hein? Est-ce qu'on se ressemble? Tu n'es pas ma sœur, n'importe quoi. Touche-la encore. Tu l'as entendu? Touche-la. Toi, tu parles. J'ai dit touche-moi. Ne la calcule pas. C'est une mal élevée. Qui est mal élevée? Toi. Je dis, arrête ça. Onaga, arrête ça. Je me dis qu'on y arrive. Viens. Oh, y aller. Touche-la. Viens. Touche-la. Viens. Allez. Touche-moi. 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 Je dis, c'est quoi ton problème? Tombe même, non? Pardon, tombe, que je me tire d'ici. Je ne comprends même pas. Ah. Santo. So. Mon oncle, c'est quoi même, non? Qu'est-ce qui t'arrive même, non? Fiche-moi la paix, tu me veux quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis là pour te tenir compagnie et tu m'interroges. Oncle, tu veux me tenir compagnie? Ceci à quel honneur? T'as vu une entreprise ici, une compagnie quelque part? Oncle, respecte-toi, ça fait un moment que je te parle de ce comportement. Oncle, respecte-toi dans ce village, oh. Respecte-toi, oh. Je t'avertis encore, oh. Je te préviens encore, oh. Quand je vais te bondir dessus, il n'y aura personne pour nous séparer. Respecte-toi, oh. Je te préviens, je t'avertis encore maintenant. Je te préviens, respecte-toi. Santo, rapika, infak. Ne me fais qu'un tano. Ah, ouais, il va. Tu déconnes, quelque chose ne va pas ici, tu déconnes. Pardon, dégage de ces idiots. Allez, hey non, non, Africa, mais... Africa, 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 tu sais que... Même à Nike, même à Nike. Lâche-moi, je suis malade. À quoi, bien sûr. Je crois que t'es devenu cinglé. T'as perdu tous tes sens, n'est-ce pas? Si je te brise la tête maintenant, t'es cinglé? Hein? Je suis oncle, ton oncle. Je suis ton oncle. Essaye encore ça la prochaine fois. Je te jure, essaye encore ça la prochaine fois. Tu auras de mes nouvelles. Je te jure que je vais te mettre à ta place. Ah. Oda! Santo. Je t'aurai un jour, crois-moi. Je t'aurai un jour. N'importe quoi. Udo, tu ne m'entends pas t'appeler? Bien, Wanya Ogene. Qu'est-ce qu'il y a encore cette fois-ci? Et venez à des mecs. Udo, je suis venu te prévenir. Laisse ma belle-fille tranquille. Oui, laisse-la, elle n'est pas ton égale. Apiaka. Alors comme ça, tu as l'audace, la témérité et le culot, hein, de venir chez moi me menacer. Okoya, un ancien comme moi. Ah. Aîné mon œil, aîné mes fesses, aîné un aîné qui se pavane dans tout le village entier, cherchant des gamines pour mettre dans son lit. Aîné, tu dis, c'est ça un aîné? Ferme-moi cette bouche. Femme, avant que je ne ferme mes yeux et que je ne les ouvre, je ne voudrais plus revoir ces sales pattes chez moi. Dégage de ma concession! Que je parte de chez toi. Oui. Que vas-tu faire? Hein, Odou? Qu'est-ce que tu vas faire? Kei Geme, Yanyuse! Que va-t'en de chez moi? Bah non, loin de là. Je ne frappe pas les femmes. Anama Bazigoto, Yue Yubala, Opala Kecho. Tu les attrapes. Ma, Bado! Ah!
Miséricorde. Miséricorde, oh miséricorde. Miséricorde, c'est tout ce que je demande. Kenichu, qu'est-ce qu'il y a? Tu casses encore des palmistes? Désolé, mon garçon, ça va, c'est bon. Je t'ai apporté à manger, hein? Tu m'as apporté à manger? Aïe, désolé. Merci, désolé. Maman. Merci. Je t'ai apporté à manger. Ah, tu m'as apporté à manger? Oui. Je mets ça de côté, hein? Tu n'as pas lavé tes mains. Je le ferai après. La foi. C'est ton plat préféré. J'aime la foi. Oh, le couscous. C'est ça. Mon Dieu, je te ramène chez ta mère. Le combo. Mon mère chérie. Hey, mon mère adorée. C'est très mon bon. Mon garçon. Oui, c'est bon. Merci beaucoup, mange. Maman. J'adore ta cuisine. Charity. Écoute. Somto est ta sœur aînée. Je n'aime pas la façon dont tu lui parles. Respecte-la, je te l'ai dit. Maman, tu ne fais que parler à Omur. C'est une mal élevée, cette Charity. Hey. Toi, si je te donne une baffe là, si je t'en mets une, tu vas te retrouver là-bas au marché. Tu es folle. Ma maîtrine, c'est toi la folle. Tu veux pleurer? Est-ce que tu veux pleurer? Tu veux te faire battre ce matin? Charity, pas son temps. Je ne le ferai pas non plus, d'accord? Oui, t'es une grossière. Okay. Charity, écoute-moi. Si jamais Somto me dit que tu l'as encore insulté, je te donnerai une de ces leçons, hein? Tu vois cette main? Je vais te mettre une bonne gifle. Okay. Tu verras. Tu passes ton temps à supporter le mal. Hein? Tu es de quel côté? N'es-tu pas supposé me supporter, moi, ta propre fille? Au contraire, tu supportes la fille d'un autre homme. Je me demande d'où ils viennent. Elles sont aveugles de foi. Attends. As-tu dit la fille d'un autre homme? Tu es drôle. En ce qui me concerne dans cette famille, elle est mon enfant. Oui. Son frère également. Oui. Nous sommes une grande famille. Oh, c'est gagné. Oui. Une grande, oui. Maman, c'est une blague. Une grande, moi. Une grande famille avec qui? Ces gens-là? Nyanga ma nyanga, moi. Fitié, si tu ne connais pas les membres de ta famille, dis-le-moi, je vais te les montrer. Moi, je connais ma famille, oh. Cette sale petite gasse assise à côté de toi, c'est un membre de la famille. Mais si elle refuse d'être parentée à moi, je m'en tape. Je n'en ai rien à faire. Tu peux te battre. Charity. Ça n'empêche que je suis restée dans ton ventre pendant 9 mois, sans parler à personne. Je ne suis pas morte. Suis-je morte? Je suis là. Je remercie de reconnaître rester dans mon ventre. Et estime-toi heureuse que je ne t'ai pas tuée, Wata. Personne ne peut me tuer. Je suis d'abord invisible avant tout. Je mourrai quand Dieu l'aura décidé. À part cela, je suis indestructible. Personne ne peut me tuer. Je vous le dis. Il faut encore. Alors, cette histoire de respect, respectez qui? Gardez-les pour vous. Qui la respecte? Pour faire quoi? Je la connais. On se connaît. Je n'aime pas ces conneries. Il fait un test. On y est, Mika Weboya Kayem. Dégage, je vais vous. Oh bien, Boya Boya Bo. C'est l'incès. N'importe quoi. Toi, maman, je vais te tuer. Ne t'en fais pas. Qui? Tu es déjà morte. Cette fille qui est là a besoin de délivrance. Je suis d'accord. Elle est possédée. Qu'est-ce qui lui arrive? Je doute qu'elle soit ma sœur. Je vais l'amener chez le grand féticheur. Je crois que c'est une bonne idée. Je suis d'accord. On doit la fouetter correctement. Oui, et faire sortir ce démon.
sortir Anne, ce démon. Nekofia, regarde-la. Y a quelqu'un? Où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu cherches? S'il te plaît, j'aimerais voir Somto. Tu veux voir Somto? Je peux la voir, peux-tu l'appeler, s'il te plaît? Appelle-la, s'il te plaît. Nagai, mais fais-y doucement. Calme-toi. Yeah. Elle est qui pour toi? C'est juste une amie. Ok, Okuafa. Que? Comment ça, c'est juste une amie? C'est ta petite amie ou c'est juste une amie? Non, non. C'est mon amie. On travaille ensemble. C'est ton amie. Vous travaillez ensemble. Vous travaillez quoi ensemble? Hein? Ok, alors, quel est ton nom? Je suis Agada. Agada? Hey! Qu'est-ce que tu gardes? Tu gardes ça? C'est ça, n'est-ce pas? Cinémo Agada! Donc, de tous les noms dans ce monde, tu as choisi Agada. Excuse-moi, mais es-tu toujours aussi grossière et sauvage? Tu n'es qu'un idiot. Que le tonnerre te frappe. Donc, parce que j'essaie d'être courtoise pour m'insulter. Moi, Charité, tu m'insultes. Toi, tu es malade. Allez, dégage ici maintenant. Tu me connais même pas. Pourquoi tu es maladroite et stupide? Comment vais-je connaître un seul bouc de ton espèce? Un seul misérable tel que toi, pourquoi des fois je te connaître? Agada, quand je te regarde, je ne vois qu'une seule chose. La pauvreté, bon à rien. Je te blâme même pas. C'est écrit partout sur toi. Regarde-moi cet idiot. C'est mieux que je m'en aille. Allez, fiche le camp, Mogo. Quel nom, Agada? Qu'est-ce que tu gardes dans ce village? Je vais te... Espèce d'idiot, pauvre crétin. Reviens si tu es fort. Je t'attends sur place. Agada, tu gardes son devant, tu gardes son derrière. Ounyarala. Ounyarala. Bokoya. Selense. Agada. Agada. Je m'appelle Agada. Tu gardes quoi? Maman? Désolée. Je vais aller te chercher les médicaments, d'accord? Je vais aller te chercher les médicaments. Qu'est-ce qui arrive à ta gorge? Je ne sais pas où. Depuis le matin, que quand je me suis levée, j'ai fait cette remarque. Je ne sais pas. As-tu bu de l'eau? Oui, maman. Mais ça ne s'est pas arrêté. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as mangé hier? Qu'est-ce que tu as mangé hier? Du haricot. Je ne comprends pas. Désolée, maman. T'en fais pas. Je sais que ça ira bien. Ta voix reviendra. Maman, t'en fais pas pour ça. Laisse-moi aller te chercher les médicaments. T'en fais pas pour ça. Oh, maman. Promets-moi que tu ne vas pas t'inquiéter. J'arrive. Maman, j'arrive. Oh. Oui. Et Jimego, croque la vie. Hein? Umbanu manya. Akachukudia. Jimego, umbanu. Neoluka, nakakachie kenono. Miséricorde. Miséricorde, je demande. C'est la miséricorde que je demande. Miséricorde. 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 Maman.
Maman, 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 désolé, maman. Doucement, maman, doucement. Allez, Somto arrive bientôt, maman. Maman, désolé, allez, désolé, maman. Somto, Som. Maman, maman, maman. Allez, maman, doucement. Somto, Somto. Maman, allez, maman, calme-toi, Somto revient bientôt. Maman, s'il te plaît, désolé, maman. Maman, maman, Somto, allez chercher des remèdes. Maman. 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 Maman, s'il te plaît, réveille-toi, Somto sera là bientôt. Maman. 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 Somto. 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 Maman. Maman, Somto est là. Maman, Somto, c'est toi? Ouais, c'est moi. Je ne sais pas. Maman ne parle pas. Elle ne bouge pas. Maman. Elle ne bouge pas. Maman, s'il te plaît, allez, s'il te plaît, maman. Maman, ne fais pas ça. Lance tes médicaments. Maman, ne fais pas ça. Maman. Maman, ne fais pas ça. Maman, réveille-toi. Maman, ne me fais pas ça. Oh non. Maman, réveille-toi. Tu ne peux pas faire ça. Maman. Aïe. Ah. Maman, lève-toi. Ah. Dieu. Ces gens ne sont pas en train de pleurer. Regarde ce qu'ils font. Regarde, maman. Ils sont juste en train de faire ça. Elle ne pleure pas. Où sont les larmes? Je veux voir. Regarde ma sorcière. Quand tu aimes quelqu'un, tu pleures. N'importe quoi, sorcière. Quand tu aimais quelqu'un, il faut pleurer. Qu'on le ressente. Qu'on ressente de ta peine. Maman. Onye mike waya beye koki boku ya. Sonha. Boum. A suppose tu n'as pas. Sœur Charity, s'il te plaît, j'aimerais te parler de quelque chose. Hey! Tu m'as appelée Sœur Charity? C'est bien ça. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Viens t'asseoir, s'il te plaît. Non, je suis bien ici. Allez, je t'écoute. Ok. J'aimerais te dire que ce que tu fais, la vie que tu mènes, n'est pas bonne. Je le savais. Je savais que ce mot-sort venait avec quelque chose, pas de problème. Allons-y. Ok. Tu sais que Sœur Somto et Frère Kennedy sont de notre famille. Anyway, vas-y. Nous sommes liés par le sang. On a le même père. Un gros mensonge. Le jour où la mère est morte, tu étais à la maison et tu n'as pas levé le petit doigt. Aucun remords. Ferme-la. Ferme ta sale bouche. Si tu n'as rien d'important à dire. Ah ouais, ah. Parole de qui? Tu es très stupide. Et si je dormais? Hein? Et si je dormais? Tu ne dormais pas, Charity. Tu étais à la maison. Information. Je n'étais pas à la maison. Je n'étais pas à la maison. Avant que tu ne commences à propager de fausses informations, c'est clair. Si tu n'as rien à dire, tu la fermes. Ferme cette bouche puante. C'est quoi ton problème? Écoute, je vais te dire un truc. Estime-toi heureuse d'avoir une jeune sœur qui te donne ce conseil. Parce que si tu ne changes pas cette mauvaise voix, aucun homme ne t'épousera. Ok, sainte vierge Amaka. Sœur Marie, vierge. Que fais-tu encore dans cette maison? Ah. Pourquoi aucun homme ne t'a doté? Tu veux que je me marie avant toi? Pourquoi pas? Non.
c'est que tu es une bonne personne. Tu es censée être mariée. À cause de ta méchanceté, personne ne vient de demander ta main. Regarde là, tu as le culot de parler. On y a vu que meilleur béhé, que bokoboya, c'est l'insé. Oga soubogi. Soubogi. Awanchi. Que je change. Je cuisine, après tu viendras manger. Prépare, je viens manger. Tu es trop paresseuse pour le faire. Prépare, je viens manger. C'est ton rôle dans cette maison. Change. Prépare, je viendrai manger. C'était à toi de cuisiner. Idiote. Tu es paresseuse. Méchante. Et tous mes travaux, tout ce qui me concerne dans cette maison, tu le feras. N'importe quoi, rien à faire. Si tu veux ne change pas. Si tu veux ne change pas. N'importe quoi. Sorcière, idiote. Je vais séparer ta sauce. Je vais mettre du piment. N'importe quoi. Tu pleureras. Vas-y, fais-le. Mets du piment. Vas-y, fais-le. Tu mangeras le même repas. Tu mets le piment pour tout le monde dans cette maison. Je n'en mangerai pas. On y est là. Je refuse de préparer. Idiote. She's just a girl trying to survive. She wants to be herself. Oh, some tochukuru. Every day, so much trouble. Every day, she wants to be herself. Oh, some tochukuru. Allez, voyons, tu dois arrêter de pleurer. Il n'y a aucune quantité de larmes qui ne pourrait ramener le mort à la vie. Arrête de pleurer. Ça va aller. Somto, ça va, hein? Ça suffit. Cesse de pleurer, hein? Cesse de pleurer, hein? Comme Agada l'a dit. Aucune quantité de larmes coulant dans tes yeux ne ramènera à mort, hein? C'est bon, hein? Eh oh, on comprend ta peine. C'est bon. Écoute, tu dois te ressaisir. T'as encore ton frère qui est là et ta demi-sœur aussi. Ressaisis-toi. Voilà. Arrête de pleurer, souviens-toi qu'on est dans un marché. Tu vois comment les gens nous regardent, hein? Ils te regardent tous. On t'appelle Somto, la dame de fer. Mais tu es là à pleurer, hein? Ça va. C'est bon, ça va. Arrête de pleurer. Somto, calme-toi, allez. Trying to survive. She want to be herself. Oh, some tochukuru. Every day, so much trouble. Every day, she want to be herself. Oh, some tochukuru. Some tochukuru. Poète. Ouais. Poète. Je suis là. Je suis là. Il y a ces deux sacs à transporter. On va pas loin. Juste là, à la sortie du marché, tu connais? À la sortie du marché? Oui, à la sortie. Bon, viens, allons-y. She wants to be herself. Oh, some tochukuru. Every day, so much trouble. Every day, she wants to be herself. Some tochukuru. Oh, some tochukuru. Somto chuku. Apoupou, amé, apoupou, et bomo. Maman, mé, apoupou, et lava. Maman, mou, mou, maman, mou. Maman, mou, mou, maman, mé. Maman, mou, Mama, 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 mama,
Maman! C'est bon. C'est toi. C'est toi qui as pu voir. Maman, tu pleures de la chance. Qu'en est-il de moi qui n'ai jamais eu la chance de voir à quoi ressemble ma mère? S'il te plaît, arrête de pleurer. Allez, arrête. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Maman. Ah, tu es là, enfin. Ah, Momo. Non. Je vais bien. Ça va. Dis-moi, comment tu vas? Liesse, et toi? Ok. Écoute, j'ai trouvé 2500 naira. C'est pour toi. 2500 naira, 2500? Hein? C'est beaucoup, non? C'est beaucoup! Alors? Qu'est-ce que tu veux me dire? Ok. Moi, Amobi, t'aime du fond de mon cœur. Mais attends, tu m'aimes au fond de ton cœur, moi, au fond. Alors, qui est au-dessus de ton cœur? Konye Bounia. Mais voyons. Non, dis-moi, qui est au-dessus de ton cœur? Je veux bien savoir. Viens que je te montre. Oh, yeah. Allez, grimpe. Bagam! Tu es au-dessus, en bas, au centre, derrière, devant et à côté. On y a mieux, ouais, biko, boya. On y a mieux, ouais, biko, boya. Oh, soupasta, biko, weko. Elle est là, la voleuse. Qu'est-ce que cela veut dire? Voleuse. Qu'est-ce que cela veut dire? Voleuse. Moi, une voleuse. Une voleuse. Qu'est-ce que j'ai volé? Donc, je ne sais pas que tu as volé l'argent de maman. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Moi. Oui, toi. C'est ce que t'as fait. Oui. Qu'est-ce que tu guettes? Qu'est-ce que tu espionnes? Une voleuse comme toi. Tu ne lui as pas. Je l'ai fait. Tu as volé son argent. Tu lui as dit. Je l'ai fait. Dis à maman que j'ai pris son argent. T'as honte de toi. Fogué, Fogué. Le tonnerre te frappe. Le tonnerre va te frapper. Tu n'es qu'une idiote. Qui t'a dit que j'ai volé son argent? Qui te l'a dit? Comment sais-tu que j'ai pris son argent? Qui te l'a dit? Comment tu le sais? Voleuse, menteuse. Lâche-moi. Je vais te battre. Moi. Je vais te battre. Idiote. Lâche-moi. Sentir. Je vais te battre. Voleuse. C'est aujourd'hui. Je vais te battre. On est amis, ouais, biko, boyao. Osupa supa biya wiko oboya. Ripota mama giya pota mama mao. Osapeki hi. Kamute haya 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 hemde kibide ki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 k
Oh, John Gilly, John. Mais oui. Je t'interroge et tu m'interroges. J'ai une sœur aînée. Demande-lui. Que le tonnerre te fracasse là-bas. Kamadiora, t'envoie la foudre là où tu es. Et tout ce qui est en rapport avec toi. Idiot. N'importe quoi. Nyala. Nyala, les cabis. Mademoiselle, donne-le-moi. Rends-moi mon argent et dépêche-toi. Maman, je n'ai aucune idée. Donc, elle te tient comme ça. Elle dit demande-lui. Tu demandes. Je ne comprends pas. Dis-lui de te donner ton argent, pas moi. Quelle argent? Les 2500 naira que j'ai gardé dans ma chambre. Comment est-ce que ça a disparu? Elle l'a pris. Regarde cette abrutie. Pourquoi est-ce qu'elle crie comme une grenouille? Comme ça, tu as ajouté le mensonge? Attends, répète-toi. Que le tonnerre te frappe. Une voleuse. Mais aussi une menteuse. Kamadiora, t'en fous, je vais te dire. Ta gueule. Allez, dégage de là. Maman. Dis-moi. Je l'ai surpris. En train de marcher sur la pointe des pieds vers ta chambre. Je l'ai suivi. Moi, je l'ai vu en train de prendre ton argent de 1500 naira. Moi, je l'ai vu en train de... Je sais que tu n'étais pas menteuse, maman. Dites, oh, sale menteuse. C'est toi la voleuse. Es-tu sérieuse? Oui, je l'ai vu. Maman, ce n'est pas vrai. Je l'ai vu. Où est mon argent? Ce n'est pas moi. Où est mon argent? C'est elle qui a pris ton argent. J'ai entendu que tu gardes de l'argent dans tes seins. Non, c'est faux. Sors-le-moi. Je ne l'ai pas fait. Sors-le. C'est dans sa jupe. Je l'ai vu. Mettrai-toi. Oh, y'a, viens. Allons voir dans la chambre. C'est fouillé, espèce de sorcière. Dégage. Kamadiora, tu fais droit. Je vais te tuer dans cette maison. C'est toi qui le vas frapper. Ta parole. Je vais te tuer. Va me donner mon argent. Voleuse. Allez, viens. Remontez. Où elle a gardé cet argent? Je suis là, maman. Je suis occupée, moi. Charizio! Charizi! Maman? Viens. Ma nourriture? C'est pas pour toi. Apporte ça à ton frère, Kene Chuku. Ok. Et n'oublie pas de lui donner de l'eau. C'est d'accord. Et moi, où est mon plat? Va d'abord lui donner à manger. Okay. C'est tout ce que tu sais faire, manger. Miséricorde, c'est tout ce que je te demande. Miséricorde, c'est tout ce que je te demande. Merci beaucoup, Charity. Arrête ici. Voilà. Allez, tu peux manger. Voilà que je t'aide. Après, tu diras que je suis une mauvaise personne. Tu diras que je suis une mauvaise Écoute personne. Écoute à quelqu'un de bien. Hein, je manifeste de l'amour. Je t'ai donné à mon jour. Mange rapidement avant que quelqu'un ne vienne t'interrompre. Merci, Charity. Je t'en prie. Il y a de la vitamine Q. Que dans ce plat. La vitamine Q. C'est très bon. Oh oui, très bon. T'as dit que c'est quoi? De la vitamine Q. La vitamine Q? Oui. Quel rôle ça joue? Ça te rend frais. Frais. Je veux plus de vitamine Q. Je veux être frais. Tu en veux plus? Ok. Mange, mange. Les gens arrivent. Ah, ah. Je te l'avais bien dit, n'est-ce pas? Hein? Ah, ah. Je suis contente. Le Seigneur m'a bénie aujourd'hui. Je suis d'accord, je suis d'accord. Je suis vraiment contente. Santo. Aujourd'hui, j'ai été bénie. Je suis contente pour toi. Vous ne me connaissez pas. Les gars, vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaissez pas. C'est moi, Somto. Somto. Écoutez, j'ai gagné. 4 000. Aujourd'hui, non. J'ai pointé. Ça fait beaucoup d'argent, mais en fait. C'est avec cette petite somme d'argent que tu as gagnée aujourd'hui que tu vas arranger ta brouette?
Ça va te coûter cher. T'es sûr de vouloir faire ça? C'est quoi cette question? Je suis très sûr. Mais attends, Somto, je vais te poser une question. Ça veut dire que les 4000 que tu as travaillé à la sueur de ton front, la façon que tu te débattais, on dirait que tu voulais cogner une personne au marché. C'est avec ça que tu voudrais réparer ta brouette? Oui, non. Oui, non. C'est quoi ton problème? Non, je te donne juste... C'est mon argent, non? Tu dois faire des épargnes. Bien sûr. Non, non, non. Je veux la réparer pour avoir... Des clients. Des clients, oui. Moi, je prie que ça continue ainsi. Bien sûr. Oui, frère. Non. Dis amen. Dis amen, son tour. Pousse-toi. Je n'aime pas ça. C'est bon, allons-y. Amen. Voilà, amen. Pas trop tôt. Un amen de ta part. Même comme ça te prend énormément de temps de le dire. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas ici que vous mais avez dit. Toi, nous sommes arrivés. Pardon, allez-y ça. Pardon, faites vite. Donnez-moi mon argent. Dépêchez-vous, donnez-moi mon argent, j'ai pas de temps à perdre. Je dis, c'est quoi ça? Mais je vous ai dit que j'allais payer cette somme. Je vous ai dit que j'ai 250. Madame, vous ferez mieux de me donner mon argent. Si vous ne voulez pas que je me fâche, donnez-moi mes 500. Donnez-moi mon argent. 250, et elle veut me tuer. Au secours, aidez-moi. Elle veut me tuer. Tu vas me donner mon argent. Aidez-moi. Lâche-moi. Elle veut me tuer. Tu es malade. Aidez-moi. Je veux mon argent. Que quelqu'un m'aide. Elle veut me tuer. Mon argent. Tu vas me donner mon argent. À l'aide. Que quelqu'un m'aide. Ferme ta bouche. Elle veut me tuer. Que quelqu'un m'aide. Quelqu'un m'aide. So much trouble every day. She wants to be herself. Oh, Somto, non, mais c'est pas vrai. Tu t'es encore battu au marché. Mais qu'est-ce qui te prend? Toujours en train de te battre. Hey. Non, mais dis pas ce genre de choses. Quoi? T'as pas vu ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Calme-toi et dis-nous ce qui s'est passé. Dis-nous, hein? Tu n'as pas vu ce que cette femme a fait? Je lui ai dit 500 euros. Oh, elle m'a donné 250. Pourquoi non? Somto, pour l'amour de Dieu, t'es une femme, tu comprends? Quoi qu'il en soit, tu ne devrais pas te battre. Ok, et si tu l'avais tué alors? Mais qu'elle meure, non? Hey. Qu'elle meure! Je m'en fiche! Qu'elle meure, non? Ce n'est pas mon problème! Qu'elle meure, non? Pourquoi, non? Mais Somto,
Ce que Agada t'a dit est vrai, hein? Et si tu battais cette femme et qu'elle mourait, qu'allais-tu dire? Hein? Tu sais que tu as la force d'un homme. Tu as les bras de fer. Et si tu avais poussé cette femme et qu'elle mourait, ce n'est pas une bonne chose. Écoutez, quelqu'un me cherche encore des ennuis. Hein? Hey. Il va m'entendre. Tu suis ces gars. Dois-tu toujours te battre? Dois-tu toujours te battre? Vous savez quoi? J'en ai marre. Fâche-toi. Je m'en vais. Pour un rien, tu vas te battre. C'est quoi ça? Somto. Somto Chuku. Maman, tu t'es battue aujourd'hui au marché. Maman, écoute, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Ferme-moi ta bouche. C'est pas elle qui a commencé, hein? Tu es allée te battre au marché. Et tu me dis que tu n'aimes pas ça. Tu t'es battue avec une autre femme comme ton marché. Est-ce que c'est bien? Ça veut dire que demain tu vas me battre. Et ton nama, y'a pour moi, quoi. Maman, attends. Qui t'a dit que je me suis battue au marché? Qui t'a dit? Quand tu le faisais, selon toi, je n'allais pas la prendre? Hein? Rien n'est caché sous le soleil. Rien. Ce n'est pas bien. Regarde-toi. Comment peux-tu te battre au marché? Qui pourra venir demander ta main en mariage? Selon toi, les gens se marient de cette manière? En bagarrant? Comment vas-tu attirer les bonnes choses vers toi? Je m'en fous. Mais tu en as, c'est ça. Mais tu en as de douangon. Mais tu en as. Santo. Omalicham, tu sais que je n'aime pas crier, surtout quand il s'agit de toi. Regarde-toi, Omalicham, regarde comme tu es jolie. Hein? Jolie teint, moi ma loma, hein? Moi je djemba. Jolie fille l'homme, écoute, je vais te dire, la bagarre n'est pas bien. Tu finiras par te faire du mal. Hein? Ce n'est pas bien pour toi. Hein? Promets-moi que tu ne vas plus te battre. Maman, une promesse? Non. Moi, je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre du tout. Somto, rends-moi fière. Arrête de te battre. Au moins. Promets-le-moi. Bikono. Oh. Maman, moi, je ne suis pas sûre de ça. Oh, Malicha. Moi, ma loma. Somto, Chuku. Hein? Adobodo Ibo, Juan Djenjemba. Je sais que tu ne vas plus te battre, je le sais. Maman, je suis pas sûre. Moi, malhomme, as-tu mangé? Non. J'ai à manger pour toi. Hé! C'est du haricot? Hé! Maman! Hein? Où est-ce que c'est? À la cuisine. À la cuisine? Hé! Du haricot! Mais promets-moi que tu ne vas plus te battre. Maman, laisse tomber, oh. Laisse tomber. Hé! Du haricot! Je vais te dévorer. Amour. Oh. Si c'était possible, hein, je dirais à tout le monde à quel point tu es douce. En fait, je crierais, elle est si douce. Tu sais, parce que tu frappes les gens, ils pensent que tu es un homme dans le corps d'une femme. Ils ne savent pas que tu es douce et que tu as surlé. Donc, quand est-ce qu'on se revoit? Pourquoi tu me demandes ça aussi gentiment? Hey, Emmanuel Metsumaka. Papoutaya. Aussi, immédiatement. Il suffit de m'appeler et je vais à tes pieds. Viens là, viens là. Oh. Amour. Elle sait comment faire. Il est doué, oh. Il est doué. Amour. On y va. Miséricorde. Miséricorde, Dieu du monde. Miséricorde. Miséricorde. Miséricorde, Dieu du monde. Miséricorde. Miséricorde, Dieu du monde. Miséricorde, je... Qui est-ce? C'est qui ça? Allez, lâche-moi. Allez, lâche ça. Tu m'as fait tomber. Ah, c'est toi, charretier. Hey, c'est toi. C'est,
Tu m'as fait tomber. C'est toi. Tu m'as fait tomber. Tu m'as fait tomber. Tu m'as fait tomber. Ça t'apprendra. Bien fait. Pourquoi? Pourquoi tu ne le lâches pas? Idiote. N'importe quoi. Qu'est-ce que tu en sais? Les dégâts. Tu lui as fait. Tu lui as fait quoi? J'étais là. Faisais-tu par terre? Tais-toi. Faisais-tu par terre? Ce. Idiote. Seul aveugle. Idiote. Tu dis que tu es aveugle, mais tu me fais tomber. Je suis pas aveugle. Tu fais semblant. Tu connais ton plan dans cette maison. Tu fais semblant d'être aveugle. T'occupes pas de. Je dis être aveugle, mais tu me fais tomber. Pourquoi tu m'as attends-moi. Viens par là. Attends-moi. Allez, viens. Attends-moi. Tu me fais tomber. J'arrive. Gnala. Tu ne verras pas du bien. Toi, tu ne verras aucun tu bien. Tu ne verras pas du bien. Gnala. Tu ne verras pas du bien. Ça dépend de ce que tu dis. Idiote. Il vaut mieux. Il vaut mieux que toi. Il vaut mieux que toi. Il vaut mieux que toi. Désolée. Désolée. Fais pas attention à elle. Oh. Oublie-la, s'il te plaît. S'il te plaît. Fais pas attention à ce qu'elle fait. D'accord? Miséricordo, miséricorde. Ouais. Miséricordo, miséricorde. Ça va aller. Miséricordo, je demande... Je vais te chercher à manger. Je t'apporte aussi de l'eau. Tu as soif, n'est-ce pas? Calme-toi, ok? Tu n'entreras pas ici. Idiote. Ouvre cette porte. Mais je n'entre pas. Kéné, pourquoi tu tiens cette tête? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me demande ce que j'ai fait à cette méchante de charretier. Elle est venue aujourd'hui et elle a tenté de me prendre mon bâton. Elle est chanceuse que je ne l'ai pas frappée avec ça. Quoi? Charretier, t'as fait quoi? Elle a tenté de me prendre mon bâton aujourd'hui. On est de trop. Ça arrêtez. Allez, laisse-la tranquille, ne fais pas quelque chose de stupide. Viens. Allez, viens, s'il te plaît. S'il te plaît. Viens, s'il te plaît. Donc, tu lui as... Mais bien, bien. Gaiti. Maman. Maman. Qu'est-ce qu'il y a? Biko, quoi me il faut? Parle-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Charretier, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu n'as pas vu... Charretier! Comment Charretier l'a poussée? Elle l'a poussée. Pourquoi non? Oui! Mais je dis, Charretier, quel est ton problème? Tu l'as poussée... Charretier, allez, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'attends ici. Hey! Moi, Biko, Ndo. Hey! Hi, Ndo. Charretier! Charretier est parti. Ndo, c'est bon, Ndo. Biko. Toi, ce n'est pas ça. Je te pièce, maman. Biko, Supoya. Ndo. Maman, tu vois ça? Je vois ma fille. Cette fille doit être une sorcière. Ce qu'elle a fait à mon frère. Tu as vu ce qu'a fait cette fille? C'est une idiote. Reviens, maman. C'est une idiote. Stupide fille, stupide fille. Ok. Juste ok. Que... Ok. Ok, non. Toi, je suis désolée. Toi. Toi. Non, je n'en tournais pas le nez. Charretier, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Charretier. Oh, ok. Toi. Mais qu'est-ce que je t'ai fait, Charretier? Ouais, moi. Charretier, mais qu'est-ce que je t'ai fait de moi? Toi. Charretier! Allez, ferme ta bouche. Né. Allons maintenant afin de rentrer tôt pour faire à manger. Tu as raison, maman. Où est Charretier? Maman, elle est dedans. Qu'est-ce qu'elle fait dedans? Maman, tu me demandes? Je ne sais pas. Bien. Charretier! Oui. Tu réponds oui. Ne vois-tu pas que nous allons au champ? Yeah. Oh, ya, viens, on y va. Je n'importe rien en maman, plus. Maman, qu'est-ce que tu dis? On va au champ, sous un soleil pareil. Je ne peux pas, je suis fatiguée. Ah, alors, tu ne viens pas avec nous au champ, c'est ça? Je ne peux pas, je me repose. Le champ, quel genre de champ? Tu te reposes. Je me repose, Pico. C'est tout ce que tu sais faire. Te reposer, manger et faire le tour de tout le village. Rentrer, manger et s'aimer le trou, n'est-ce pas? On riose des mines. C'est un gros travail, oh. Tu penses que c'est facile de faire le tour du... Moi, ma mère est pour une tique. C'est un grand boulot. Allez-y, oh, partez. Faut partir. Tu dois venir c'est avec nous au champ. Tellement paresseuse. Allez, paresseuse. D'abord, je vais vous suivre. Oya, viens, on y va. Quelle paresseuse.
Donne-moi la route. Idiote, je le savais. Allons-y. Maman. Maman. On part. Ouais. Maman, oui. Regarde. On part. Dis-moi. Son cas est mieux que le tien. Tu es la maman. Mais c'est de meilleures choses que toi. Allez-y, travaillez. Pitié, allons-y. Laissons cette bonne. Allez-moi nettoyer ce champ. Pitié, allez-moi nettoyer ce champ. Oya. Faites-le bien. Je ne veux pas voir Nesra qui n'aime là-bas. Gariba. Tu n'es qu'une paresseuse. Je ne veux voir aucune paresseuse. Adabous. S'il vous plaît, après avoir terminé, rentrez me faire à manger. J'ai très faim. Et c'est pas go, Jim. Hey, je ne veux voir aucune herbe dans ce champ. Iwayene yowaya biko woboya. Asupo supobiya biko supoya. Et pas ta maman qui y a pas ta maman. Hey, arwagam pirota. Allez travailler. Faites vite et vous venez me faire à manger, j'ai faim. Hey! Ma chérie. Ça va. Kenichi. Kenichi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? J'ai soif. Je veux boire de l'eau, s'il te plaît. Allez, donne-moi un peu d'eau à boire. Tu veux boire de l'eau? Tu ne sais pas où on garde de l'eau? C'est pour ça que tu me déranges. Donne-lui de l'eau et qu'il nous laisse tranquille, là. Que je lui donne de l'eau? Maintenant, dégage-la avant que je n'arrive, idiot! Va te chercher de l'eau! Bébé, retournons à ce qu'on faisait. Allez, oublie-le, allons-y. Merci, mes enfants. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'il vous bénisse abondamment. Amen. Au nom de Jésus. Santo, s'il te plaît, range ça dedans pour moi. D'accord, maman. Donne à ta sœur. Apporte-moi de l'eau à boire. Bien. Cesse de semer le trouble. Sois une bonne fille. Et plus encore, je veux que tu arrêtes de voir ce garçon. Biko. Maman, j'ai compris. Oh, moi, mais moi. Mais tu vois, Moby, désolée, je ne peux pas le quitter. Hein? Bakagine quoi, nous? Tout simplement parce que je l'aime. Et d'ailleurs, son père est un chef. Quand son père sera parti, il prendra la relève. Est-ce que tu comprends mieux maintenant? J'espère que tu as compris. Tu as très bien compris maintenant. Je vois où tu veux en venir. Dieu nous a donné un cerveau. Mais toi, je me demande quel genre de cerveau tu as. Un cerveau de moineau, c'est ça que tu as. Pendant que tes égales parlent, des hommes riches de la ville, des hommes avec beaucoup d'argent, des hommes pleins nos as avec beaucoup d'argent, tu es ici, en train de parler d'un chef de village. Un chef dans ce village, qui passe son temps à coucher avec les veuves. La chouangana louboya,
Un chef qui n'a aucun respect et aucune dignité. C'est ce genre d'homme que tu veux épouser? Oui, maman. Je veux épouser Amobi. C'est mon dernier mot. C'est à qui tu parles de cette manière? Tu penses que je ne peux pas te l'imposer? Parce que je t'ai appelé pour te parler. Tu vas quitter Amobi. Que tu le veuilles ou pas. Je ne veux plus te voir traîner dans ce village avec ce Amogi Kaga. Amomi Yamabia. Amobi. Potomkem, ponkem, ponkem. Au poto. Au poto. Pourquoi est-ce que tu cours comme une folle? Tu es sans scrupules. Espèce d'idiot, tu es la cause de tous ces problèmes que j'ai en ce moment. Je le jure par les dieux, tu vas me le payer un jour. Hein? Idiot, tu n'as aucune honte, sale bouc. Tu es incapable de garder ton truc en place. Et vous, mais tu n'as encore rien dit. Tu n'as encore rien dit. Ok, tu as le culot de parler, n'est-ce pas? Tu peux aller demander à la stupide fille de ton frère, d'accord? Ok, kango duruma, kandon duyud. Ouais, c'est moi. Somto l'international. C'est moi. Somto l'international. Bien. Onyeka. Onyeka. Ah. Non, mais vous ne pouvez pas dire bonjour ou quoi? Ou vous n'avez pas d'aîné à la maison? C'est quoi son problème? Mazi Odo, ou peu importe comment on vous appelle. Vous feriez mieux de vous respecter dans ce village. Respectez votre fichu, stupide et idiote de personne dans ce village. Sinon, vous aurez affaire à moi. J'ai appris comment vous êtes un objet de nuisance dans ce village. Ne me tentez pas. Udo, je sais pas comment on vous appelle. Écoutez bien, il est dit chez nous qu'un vieillard qui n'a pas de cheveux sur la tête devrait faire attention au soleil. Regarde-toi, vous n'êtes qu'un bon n'a rien. On n'a rien dans tous les cas. On ne peut pas vous comparer à aucun parent dans ce village. Et vous ne méritez aucun respect dans tout ce village. Pas du tout. Donc, vous vous êtes foutu en l'air. De toute façon, je n'ai pas le temps à perdre avec des petits morveux comme vous. Hein? Bien. Morveux. Vous nous traitez... Santo, j'ai appris ce que tu as fait à ma femme. Si Et tu... Fais... Bon. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Descends. Défends-toi. Tu es fou. Défends-toi. Tu es fou. Tu es fou. Vas-y, défends-toi. Tu es fou. Tu es fou. Tu es fou. Il est au sol. Allez, vas-y. Tu es malade. Il est au sol. Lève-toi. Tu as la chance que tu... Défends-toi. Tu as la chance que tu portes ce chapeau. Regardez mon ancien. Regarde. Regarde. Viens, 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 viens. C'est fort. Regardez-moi ça. Toutes ces conneries. Viens, viens, viens. Allez. Enlève-moi toutes ces conneries. Plus quoi ça. Parce que je suis calme. Je peux te... Allez, lève-toi. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Je vous lève. Tu veux que je te touche? Tu es fou. Regardez-moi ça. Crétin. Tu es un crétin. Oya. Saute. Vas-y, saute. Saute. Saute comme une sauterelle. Sautez. J'ai dit, dépêche-toi. Vas-y, sautez. Saute. Fais ce que je t'ai dit. Tu es malade. Tu es malade. Allez, Oya. Saute. Où est cet homme? Hein? Pourquoi n'est-il pas de retour? Il devait déjà être rentré de la réunion. Que fait-il encore dehors? J'espère que tout va bien, oh. Parce que je ne peux pas me permettre d'être veuve. Je suis fatiguée, je suis fatiguée. S'il te plaît, reviens. S'il te plaît, reviens. Oda Ochoko! Et moi, ma...
être mon mari, hein? Où peut-il être? Où est-ce qu'il est allé? J'ai fouillé dans le village tout entier. Hugo! Hugo! Hey! Hugo Medjoro! Hugo! Hey! Niem! Ma tante? Bon après-midi. Bon après-midi. S'il te plaît, hein? As-tu vu un court homme noir? Il s'appelle Udo. Ah. Mazé Udo Tchuku. Tu veux dire Mazé Udo? Oui. J'ai vu Mazé Udo du côté de la forêt. Il se fait frapper par Santo. Timo! Santo! Hey! S'il te plaît, de quel côté? De quel côté? Par ici. Santo, tu vas me tuer aujourd'hui! Tu vas me tuer aujourd'hui si tu refuses de laisser mon mari tranquille! Tu vas me tuer aujourd'hui! Laisse mon mari tranquille! Baissez-vous! Va plus vite! Plus vite! Regardez-le! Il est comme... Allez, regardez! Allez-y, plus bas, dépêchez! Tu vas me tuer! Comment peux-tu faire ça à mon mari? Ne m'as-tu pas assez frappé? Asoto! Laisse-moi! Laisse-moi! Allez, vas-y! Où est-ce que tu vas? Pardon! Allez, mets-toi là! Où est-ce que tu vas? Saute comme une sauterelle! Tu ne m'as pas assez frappé! Laisse-moi tranquille! Saute comme une sauterelle! Revenez! Elle va sauter à sa place! Saute! Tu vas maintenant sauter comme ton mari! Saute! Allez, vas-y! Saute! Encore! Dépêche-toi! Oya, saute! C'est comme ça que tu cries. S'il te plaît. Elle ne connaît pas. Vas-y, saute. Ferme ta bouche. T'as pas encore dit que t'es fatigué. Tu es venu en renfort, n'est-ce pas? Allez, avance. Oui, c'est ça. Vas-y. Hey! Hey! Allumé les mots, many things I see. Some touch a coup. Mangaba. Some touch a coup. Allumé les mots. Hey! Ça veut dire quoi? Chut! Oh, y'a. Bouge! Tu es malade? Ça ne va pas dans ta tête? Pourquoi est-ce que tu entres chez mon père comme ça? C'est le château ou quoi? Tu n'as aucun respect. Tu es malade? Je ne suis pas là pour t'entendre. Dégage, idiot! Hein? Dégage! Tu vas fermer ta bouche? Je te parle. Tu es malade. Je te parle. Et tu me tournes le dos. Arrête-toi là. Tu es malade. Entre que je vois. Non. Voilà la route. Je dis merde. Je te parle. Tu es malade. Ferme ta bouche. Si tu ouvres encore ta gueule. Hein? T'es malade? Ne fais pas que je te mette un poing sur le visage. C'est quoi toutes ces conneries, hein? Ça, c'est qui? Donc, c'est mon chéri que tu embarrasses. Pardon, mon ami, dégage là. Tout ça, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Va à l'intérieur. Tais-toi, oh. Je dis que je vais te... Va à l'intérieur. Ne t'amuse pas avec moi. J'ai dit, madame, va à l'intérieur. J'ai dit, dedans. Bon à rien. Regardez là, idiote. Tu ne vas pas te marier pour quitter cette maison. On y a là. Tu as la chance que... Tu ne fais que parler. D'affalamou. Si je te touche, ma chère, tu vas te retrouver dans une poubelle. Mougo, idiot. Tout ce que tu sais faire, c'est de suivre les hommes. Si je t'arrête... Qu'est-ce que tu fais ici? Ah, Chedi Kondo, jusqu'à quand vas-tu continuer avec ça? Tu es toujours en colère contre moi? Hein? À cause de ce jour? Non, bah non. Hein?
Permets-moi de te toucher une fois. Je t'en supplie. Juste une fois. Permets-moi juste une fois. Hein? Tu es mon investissement, tu es ma propriété. Hein? Malapigna, n'y a diabo. A ma bonne foi, nous n'y nous. Hey. Because go. Odo. 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 Combien de fois t'ai-je appelé? Tu ne m'as pas dit de compter. Vraiment, sans problème. Tu sais que tu es très méchant. Hein? Oui, oui. Tu es vraiment sans cœur. Regarde-toi. Tu m'as laissé là-bas. Tu m'as laissé à la merci de Santo. Hein? Pour qu'elle me tue, n'est-ce pas? Mais ça ne marchera pas pour toi. Laisse-moi te dire, à cause de cet acte-là, hein? C'est comme ça que le Covid-19 s'est propagé. Et pour cela, oui, ma chambre privée est fermée pour l'instant, alors fais-toi l'idée. Ounyala. Approuvé par quel gouvernement? Non, me touche pas. Je ne m'amuse pas avec toi, oh. Je ne ris pas avec toi. Si tu essayes encore de me toucher, tu as vu ce couteau? Tu as vu ce couteau? Je vais te l'enfoncer dans le cou. Tu es ma propriété. Permets-moi de te toucher. Permets-moi, ça c'est ma propriété. Permets-moi. Laisse-moi. Permets-moi de te toucher. Tu es mon investissement. Ouga, ça c'est mon investissement. Santo. Kené. Qui est-ce? Kené. Hein? C'est moi, ta tante. Ok. Que fais-tu dehors tout seul? Tu n'es pas en sécurité vu ton état. Je sais, mais je cherche Santo Chukwu. Je n'ai rien mangé depuis le matin. Je veux manger. J'ai faim. Tu veux manger, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Tu dois juste retourner à l'intérieur. Non. Non, je ne rentre pas. Je dois voir Santo. Je dois voir où il est et je veux manger. J'ai faim. J'ai faim. Somme tout à me donner à manger. Okay. C'est ma sœur. Ok. Prends, tiens ces fruits. Je les ai ramenés. Du marché. Juste, mange. Seigneur, je vais le faire juste par l'amour de Dieu. Si je m'en tiens au caractère de ta sœur, je ne t'agresserai pas la parole et encore moins te donner à manger. Oublie le caractère de ma sœur. Merci. Ça va, je t'en prie. Laisse-moi juste t'amener à l'intérieur. Non. Aide-moi juste à m'asseoir, s'il te plaît. Je veux m'asseoir. Ok, je vais t'aider. Doucement. S'il te plaît, quand tu auras fini, tu vas à l'intérieur, ok? C'est dangereux vu ton état, hein? Ça va. Ça va aller. Merci. Ça va aller. Merci. Juste. Bien. Ok. Bye. Merci. Bye. Santo.
Sam-ta! Sam-ta, Choco! Sam-ta! Sam-ta! Ma tante. Bonjour. Oui, Amobi, comment vas-tu? Je vais bien. Ça me revient. Il y a quelque chose que je voulais te demander. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu fais exactement avec Charity? Ah. Ma tante, je ne comprends pas. Que veux-tu dire par « que fais-tu exactement avec Charity » ? C'est une fille rebelle et elle ne te mérite pas du tout. Regarde-moi, hein. Regarde-moi bien, hein. Tu me plais beaucoup. Si tu laissais Charity partir, tu vois tout ce bon paquet, hein. Tout ce beau paquet. Le devant haut, j'en ai. Le derrière haut, j'en ai. Tu vas adorer. Ou alors tu n'aimes pas ce que tu vois, hein. Ma tante, tu es l'épouse de Oncle Dou. N'es-tu pas une femme mariée? Eh bien, je ne suis pas surpris. Tel mari, telle femme. Ton mari est chargé de l'Est et de l'Ouest. Toi, tu te charges du Nord et du Sud. Vous êtes bien organisé. Bonne continuation. Tu viens de m'insulter, hein? Tu viens de m'insulter, hein? Regardez celui là-haut. Cette chose que j'essaye d'aider. Je ne t'en veux pas. Je m'en veux à moi de m'être présenté à toi sur un plateau. Idiot. N'importe quoi. C'est parce que je perds mon temps à te parler. Hein? Egoudou Maranyanao, regarde-moi bien. Une bombe comme moi. Hein? Je parle à cet idiot et il me tourne le dos. Pas de problème. Dans ce village, je t'aurai. N'importe quoi. Qu'est-ce que tu as même? Rien du tout. Avec toutes ces formes. Hein? Et tu me commettes à ma bakunayo. Ma, tu m'as pas vu? Tu ne me vois pas? Je pense que tu as perdu la tête ou quoi? Tu es aveugle? Tu ne m'as pas vu? Qu'est-ce qui cloche chez toi? Tu ne m'as pas vu? Toujours en train de dire des bêtises. C'est à moi que tu demandes si je ne t'ai pas vu. Au lieu de te retourner comme je t'ai arrêté et de me dire bon après-midi et puis t'en aller, t'allais mourir. Hein? Amobi, écoute, tel que je suis... Tu m'as vu son tour. Moi, je ne fais pas dans ces conneries du tout. Remercie ton étoile. Sinon, je... Pourquoi t'es de bonne humeur aujourd'hui? Pardon, dégage. Un jour, je finirai par te briser en deux. T'as la chance que je suis de bonne humeur. Ok, bébé. Ah, Momo. Oui, mon cœur. Mon amour à moi. Ça, mon bébé. Ah, Momo. Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Je t'aime aussi. Ça me rappelle. Mm-hmm. J'ai croisé la femme d'Oncle Dou. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai été scotché par les bêtises qu'elle racontait. Bêtises? Qu'est-ce qu'elle a bien pu te dire? J'étais surpris par... Toutes les avances qu'elle m'a faites. Je ne comprends pas. Des avances à qui? En fait, elle m'a demandé de sortir avec elle. Je veux comprendre. La femme d'Oncle Dou. T'as fait les avances. Oui. Elle t'a dragué. Oui. Kage ne wiki ne me. Ah, la femme d'Oncle Dou. Écoute. Quelqu'un va mourir aujourd'hui. Quelqu'un mourra cet après-midi. Calme-toi. La femme d'Oncle Dou. Calme-toi, c'était juste une seule fois. Tu sais que tu peux me faire confiance. Fais-moi confiance. Nakamo, quelqu'un va mourir. Où vas-tu? Quelqu'un doit mourir. Elle va m'entendre passer aujourd'hui. Cette femme, elle va m'entendre. Pour qui est-ce qu'elle se prend? Ne me parle pas. Chérie, attends. Ne me touche pas.
Ah, ne me touche pas. Chérie, attends, cette femme, attends. Cette femme va m'entendre. Elle va m'entendre aujourd'hui. Je veux un. Ah ah. Voilà. Que veux-tu faire avec ça? Tu veux la tuer? Je vais la battre aujourd'hui. Ces grosses fesses-là. Je vais la battre, je t'assure. Mais non. Quoi. Ma chérie. Ah, Momo, ne me touche pas. Ne me touche pas, s'il te plaît. Ne me touche pas. Où est-ce qu'elle est, cette idiote? Arrête. Elle va me sentir passer. Charity. Oh, Wakwam. Ne me touche pas. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est, cette idiote? Viens, viens, viens là. Mais, allez, enlève toi, genou. Idiote. Alors tu as du culot de regarder mon copain. Tu ne savais pas que c'était mon copain? Tu ne le savais pas? Oh, Charity. Arrête, arrête, stop. Amobi, lâche-moi. Amobi, lâche-moi. Je suis désolée. Calme-toi, ça suffit. Pas mon intention, je suis désolée, pardon. Elle n'a rien dit. Elle n'a rien dit. Allez, prouve-le. J'ai menti. J'ai menti. Quel mensonge. Oui, il a menti. Oh. Je suis désolée, il a menti. Je suis désolée, Amobi. Il ment. Je suis désolée. Amobi, Amobi, laisse-moi. J'ai menti. Laisse-moi que je la remette à sa place. Laisse-la. Je suis désolée. Allez, il ment. Embrasse-moi. Tu as vu ça? Encore? Si jamais tu... Si tu essaies, Elle a compris. Si tu le croises à nouveau... Elle a compris. Si tu le vois venir, reste très loin de lui. Ok. C'est normal. Oh, oh. Il faut n'y pas qu'on tient. N'importe quoi. Merci. Allons-y. Merci. Ne t'avise plus jamais. Merci, oh. Je ne me serai plus. Dis à ton idiote de femme de ne plus jamais s'approcher de mon copain. Sinon, je vais la tuer. Je t'aurai. Ne me touche pas. Tout cela arrive à cause de toi. C'est de ta faute. Ne me demande pas. Ne dis rien. Idiot. Hey! Non. Je n'accepte pas. Hein? N'est-elle pas une femme, hein? J'étais seulement laissée. Ah, qu'est-ce que cela veut dire, hein? Tu penses que tu peux me frapper? Tu penses vraiment que tu peux me battre? Tu peux me battre? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, hein? N'importe quoi. Je voulais juste préserver mon corps, hein? Je ne voulais juste pas. Mais toi, dans cette maison, je déverserai toute cette colère sur toi, n'importe quoi. Tu l'as laissé. Oui. Tu l'as laissé partir. Waka. Ah, Halume. Hey, qu'est-ce que je t'ai fait? Hein? Écoute, si je me lève d'ici, ce que je vais te faire? Si je me lève d'ici, ce que je vais te faire? Quitte sur moi, ce que je vais te faire si je me lève d'ici? Si je me lève d'ici, ce que je vais te faire? Ça suffit. Si je me lève d'ici, ce que je vais te faire? Tu vas la tuer. Si je me lève d'ici, ça suffit. Tu as de la chance. Allez, viens. Viens te battre. Reviens. Elle fait quoi? C'est ce qu'elle sait faire. Sam, regarde. Allez, viens. Viens te battre. Si tu es une femme. Reviens là. Viens te battre. Si tu es une femme. Va dedans. Allez, viens. Viens te battre. Idiote. Je n'ai pas peur de toi. Tu vois cette fille? Va dedans. Tu vois cette fille? Va dedans. Je ne suis pas cette fille aujourd'hui. Essaie donc d'ouvrir cette porte si tu es une femme. Je vais te tuer aujourd'hui. Toi. Allez, ouvre la porte si tu es une femme. Ok. Ça va. Lâche-moi. Désolée. Je ne fais que parler. Elle ne peut pas se battre. Avec quelle force? Tu vas commettre un meurtre. S'il te plaît. Je sais que tu es en colère. Ça va. Calme-toi, ok? Ça va. Veux-tu commettre un meurtre dans cette maison? S'il te plaît. Ça va. Ah! Mouamaka! Ah, la vie est belle.
Ah ouais. Où est cet homme? Où est cet idiot que j'appelle mon mari? Stupide bonne à rien! Donc tu veux que je meure, hein? Pour que tu puisses amener une autre femme dans cette maison. Ça ne marchera pas pour toi. Je resterai en vie. Oh! Quand tu auras fini de crier, va me chercher plus de bière à boire. Quelle bière? Et si mon mombina signe? Plus de bière pour toi dans cette maison. Tu ne mérites pas la nourriture. Tu ne mérites rien. Tu ne mérites pas de manger. Espèce de gros crétin idiot. Je ne vais pas seulement arrêter de manger ta nourriture. En fait, je ne vais plus te toucher. En fait, seulement pour cet acte. Tu devras me supplier avec une chèvre en maturité. Est-ce que c'est clair? Eubaraba! Eubaraba! Ifinokienugonubalaba! Ici, Wawogenasi! Une chèvre en maturité! Je ne vais pas te garder une chèvre en maturité! C'est un cafard en maturité pour toi! Sale crétin! Le moins que tu puisses faire dans cette maison, hein, c'est d'arrêter de me donner la ration! Eh, ça ne m'empêchera pas d'exister! Ça ne m'empêchera pas de prendre du poids! Tu vois ce corps, hein? Il va continuer à grossir! Ça va grossir! Malgré tout, ça va grossir! Pauvre abruti! Marie, mon œil! Pardon, hein? Okorukunu! Okorukunu! Laisse les jeunes filles tranquilles! Akumwa Zaka! Ah! Akadina Wofe! Laissez les jeunes filles suivre les vieux cargos comme toi! Negukugi! Otagonchala! En mode pique diem, hein? Yetagi! Nan! Tu es un vieux cargo! Hey! Mais tu me gardes encore chez toi! Tu n'as pas à me renvoyer chez mes parents! Je continuerai à les suivre pour l'éternité! Ime Pimozo! Je vais te foutre hors de chez moi, il ne se passera rien! Rien n'arrivera. C'est ça, une maison? Hein? Se croira? Hein? Tu ne peux pas faire plus qu'un rat mort. Le moins que tu puisses faire, hein, c'est d'arrêter de me donner l'argent de ration. Ce qui ne m'empêchera pas d'exister. Parce que ce corps que tu vois, hein, ça attire les hommes. Arrête de me donner ton argent, ne m'empêchera pas de prendre du poids ou quoi que ce soit. N'importe quoi, ils osent me traiter de vieux cargo. Hein? Regarde-moi, oui. J'ai l'air d'un vieux cargo. Je ne suis pas vieille, d'accord? Je me demande même pourquoi je t'ai épousée. Idjuao, regarde-moi cet idiot. Ah! 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 Foi! Homme stupide! Ah! Maman! C'est comment? Tu veux puiser de l'eau? Ok. 8 naira ou 5 naira? 8 naira. Ah! Tu sais ouvrir? Mm-mm. Attends, laisse-moi j'ouvre. Viens par ici, tu vas te mouiller. Allez, viens par ici. Ok. Hey, ah! Santé! Hey, mon pote, quoi de neuf? Quoi de neuf? Ça fait un bail. Hey, c'est toi. Pardon, arrête ça. Ne recommence pas. Non, c'est toi. Je sais que je n'aime pas ça. Désolé. C'est comment? Pardon, enlève ça. Non, tontine, c'est mon tour. Oh. C'est à moi que tu parles? Tu es malade? Tu veux te jeter des gants? Dégage! Santé! Pardon. Dégage! Écoute, ne fais pas ça. Tu aurais pu le laisser. Tu dis un gamin? C'est un gamin. C'est un enfant. C'est quel genre de gamin ça? Si je t'attrape. Si. Pardon. Oublie ça. Tu aurais pu le laisser. C'est un enfant. Ce n'est qu'un enfant. Tu aurais pu le laisser. Laisse tomber. Mon pote. Pardon. Dégage. Tu es malade. Allez, lâche-moi. Et comment vont tes soeurs et ton frère? Ne me demande pas, Charity, c'est une idiote. Et ton frère, là? Allez, meuf, calme, Josh, je suis ton pote, meuf, je te demande, tu parles, là. Bah, tu en veux une? Pardon, dégage. Ferme-le bien, tu ne sais pas le fermer. Non, mais tout l'eau va se verser. Alors, quoi de neuf, non? Tu crois, allumer les mots, many things I see, from tu crois. Sam Tochukou, viens me faire face. Viens me faire face. Où est cette stupide? Qui aboie comme un chien enragé? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu cries? Ta stupide belle fille. Je n'ai pas une belle fille, idiote. Regarde ce qu'elle a fait à mon fils. Regarde ce qu'elle a fait à mon fils. Où est-elle? Elle doit sortir. Guinimé. Oui. Nya Kimje Tindou. Guinimé. Silence. Fille stupide, regarde ce que t'as fait à mon fils. Fille stupide, tu es malade. Mais, attends. Regarde ce que t'as fait à mon fils. Elle dit que... Pardon, dégage ici, idiote. Obioma, me voilà qui t'avertit. Viens ici. Stupide, de commencer à chercher des remèdes pour moi. Vraiment? Parce que c'est les aînés. Foutez le camp, dégagez.
Fille stupide. Dégage. Je me demande comment tu vas vous êtes malade. Dégage. Ambium est... Somto. Idiote. Diego. Tu es très chanceuse que je sois à la maison. Je t'ai raté. Tu m'appelles par mon nom. Je vois que tu es malade. Maman, laisse-moi. Tu es chanceuse. Tu es chanceuse. Tu as de la chance que je sois à la maison. Idiote. Elle t'aurait donné la leçon de ta vie. N'importe quoi. Écoute, je t'ai raté. Si je te touchais, je suis de bonne humeur. Oh, Diego, t'as la chance que ma mère était là. Idiote, sale chose. Stop. Tu voulais me soigner? Tu es malade. Tu es malade. Tu es fou. Je vais t'en coller une. Stupide. Hey, monsieur Moby. Monsieur Moby. Hey, elle a tué monsieur Amobi. Somta a tué monsieur Amobi. Monsieur Amobi. Amobi. Hey, monsieur Amobi, que quelqu'un vienne m'aider. Monsieur Amobi. Monsieur Amobi. Oh, Somto a tué monsieur Amobi. Allez, que quelqu'un vienne m'aider. Somto est venu tuer monsieur. Somta a tué monsieur Amobio. Somta a tué monsieur Amobio. Hey, Dieu. Hé, hey, Somto. Ah, pourquoi est-ce qu'elle court comme ça? Hey. Somto? Na, je dois partir, je dois partir. Somto! Ah, ah. Qu'est-ce qu'il lui prend? Où est-ce qu'elle va? Chut. Somto! Somto, attends! Attends! Somto! Mais... Somto! Maman, écoute! J'y mens plus! En fait, j'ai couru! J'ai cru que j'allais mourir! Le chien n'est pas mordu! Every day, so much trouble, every day! She want to be herself. Oh, Somto Chukwu. Somto Chukwu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu as fui ou pas? Chief, bonsoir. Qu'est-ce qui est bon ce soir? Qu'est-ce que c'est? Maintenant, où est-ce qu'est passé ton idiote de belle-fille? Ou le quoi? J'espère que tout va bien. Pourquoi vous traitez ma soeur de stupide? Je femme, allez, réponds à ma question. Où est Somto? Je ne sais pas où est Léo. Je reviens tout juste du marché. Mon remède est bon. Ton idiote de belle-fille veut tuer mon unique fils. Et où? Mon fils. Et vous êtes là, à me raconter des salades. Trouvez-la rapidement, ou je vous fais arrêter toutes les deux. Attendez, Chief Kanjogi. À cause d'une adulte comme Somto, vous voulez nous arrêter, ma fille et moi. Allez la chercher, non? Arrêtez-la partout où vous la verrez. Arrêtez-la. Officier, vous êtes là à me regarder. Officier, attendez, officier. Attendez, pour quelle raison? Attendez, on va se calmer. Pas besoin d'en arriver là. Allez-y, je vais vous suivre. Amenez-les au poste. Allez, avancez. Est-ce comme ça que vous arrêtez les gens? Chief, s'il te plaît, Biko, s'il te plaît. Je ne veux rien entendre. Officier, amenez-les. Allez, avancez, madame. Vous-même. Avancez. Oh, maman, c'est quoi ça? Allons-y. Mais si vous voulez m'arrêter prochainement, amenez un meilleur officier. D'accord. Regarde-le. Si vous tentez de fuir, je vais vous casser. Regardez ces vieilles chaussures. Amenez un meilleur officier prochainement. Vous êtes quel genre? Avancez. Hé. Regardez-le. Ne me poussez pas. Ne me poussez pas. Avancez. C'est quoi tout ça? Dépêchez-vous. C'est quoi tout ça? C'est devant. Oh mon Dieu. La pierre qui a été rejetée est devenue la principale de l'angle. Vous avez dit que je suis mauvaise. Aujourd'hui, la mauvaise vous sort de prison. Vous avez dit que je suis la méchante. Regardez où nous en sommes. Voilà ta gentille qui a fait la prison. Qui a fait la prison de nous deux? Pauvre idiote. Je te demande pardon. N'importe quoi. La fille innocente a dormi en cellule.
La méchante fille, inutile, est venue la libérer. Tu n'es pas été méchante. Maman, tu as dit que je suis inutile. Non, non, non. Mais regarde maintenant. J'ai payé sa caution. J'ai fait sortir cette idiote. Il n'y a là. Mais tu es en ordure. Je dois t'embrasser. Si tu fais la gueule, je vais récupérer mon argent. Tu passeras la nuit là-bas. Il n'y a là. Tais-toi. Maman, laisse-moi. Laisse-moi retrouver un taxi. Pour vous ramener à la maison. Oui. Quand ça va monter. J'ai très faim. Tu as faim. Tu as faim. Tu veux prendre ce qui appartient à un enfant inutile. Dans mes bigoma. Et bigima. On aimait Kérome. Madame. Vraiment. Maman, allez-y. Ah, mon tien, non, 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 nagunagwa. Racha. Allez, prends. C'est de la nourriture, ça. Tu vois, tu vois, je vais le jeter par terre. Tu vois, tu vois. Cette fille. Ah, tiens, loin. Elle est très inutile. Je te l'avais dit. Tu as dit que c'était toi la inutile. Et bigima. C'est moi, c'est un taxi qui va vous conduire. J'ai de l'argent. Qu'est-ce qui fait la loi? C'est toi qui fais la loi. Qui fait la loi? C'est toi qui fais la loi. Qui est-ce qui fait la loi? Ebigouin, tellement tocaï. T'inquiète, te préoccupe pas de ça. Oh, maman, allons-y. Taxi, très fort. Ok, allons-y. Viens nous porter. Ebigouin. Comme elle nous a sorti, je dois danser. Ebigouin, je les en aime. Qui innocente était en cellule. Quoi? La fille méchante a payé sa caution. Très méchante. Qu'est-ce qui fait la loi maintenant? C'est toi qui fais la loi. Tu fais la loi, maman. C'est toi qui fais la loi. Au revoir, oh. Méchante, une petite idiote. Hey. Tu es vraiment idiote. Akuna Kuna mort. Méchante Jezebel. Laisse Ken est-tu tranquille. C'est pas lui qui a frappé ton mon vieux de petit ami. Hein? J'ai envie de traiter mon vieux de petit ami. Oui, Mjakamba. De mauvais. C'est même pas un petit ami, c'est un chien. T'es qu'une idiote. Et toi, une conne. Que le tonnerre te frappe. Et toi, de même. Kama, Kama Dioma. Frappe ta bouche. Qu'il me fasse pareil avec toi. Je sais pourquoi je te laisse. Je ne comprends pas. Je ne veux pas salir mon joli corps. Parce que je vais à un endroit très important. Ton abruti. À mon retour, ce sera toi et moi dans cette maison. Tu ne peux rien. Je vais te réduire en miettes. Tu ne peux rien. Tu me connais, non? Maman, on n'est même pas là. Et ma conscience. Je te laisse dans cette maison. Oh, Wayami, mais Wayami, Boya. Fais-le, n'importe quoi. Pour Wayami, Kosupoya. Tu n'as pas honte de toi. Oui, je vais me battre pour mon homme. Il est où le tien? Ah, tu ne sais pas. Où est-ce qu'il est? Tu veux voir? Ani toi japata nilo chuko kikabiama ani jimi udo abami he uihajibia ani toi japata nilo chuko kikabiama ani jimi udo that is your name you will never shine on glory with anyone you will never Père qui est au ciel, nous te remercions pour ce jour. Car c'est par ta grâce que nous avons vu cette journée. Que ton nom soit donc glorifié. Père, nous te demandons aussi de prendre le contrôle. Prends le total contrôle. Dans toutes nos activités de cette journée. Que ta toute puissance se manifeste au milieu de ton peuple. Père. Remplis ce lieu de ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je m'entretiendrai avec vous individuellement. Bon après-midi, pasteur. Bon après-midi. Dieu merci, je vous ai vu aujourd'hui. Ma famille et moi, nous ne voyons pas du bien. Depuis que ma mère est retombée malade. Elle a besoin de vos prières. D'accord. Et où est-elle? Elle se trouve à l'hôpital. Tu voudrais que je prie pour elle? Oui. Tiens-toi là. Je vais te prendre comme point de contact avec ta mère. Seigneur, nous t'invoquons au nom de Jésus de Nazareth.
Amen. Je te présente la mère de ta servante ici présente. Aie pitié d'elle et que ta main de guérison se pose sur son lit d'hôpital. À genoux devant ta face, nous te demandons, Dieu Tout-Puissant, de la guérir, physiquement et spirituellement. Au nom de Jésus. Amen. Merci pour vos prières. Suivant. Bon après-midi. Bon après-midi. Bon après-midi, monsieur. Bon après-midi. Je m'appelle Santo Otuku. Pasteur, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de votre aide. J'ai toujours souffert au... Comme vous me voyez, pasteur, j'ai trop souffert. J'ai besoin de votre aide. En passant, je vous ai entendu chanter. Je suis donc entré pour vous voir. J'ai besoin de votre aide. Mais as-tu cherché à prendre rendez-vous? Non, non. Tu veux de l'aide? Oui, pasteur. Comment? Le logement, pasteur. Le logement? Oui. Dans ce cas, je parlerai à ma femme pour savoir si c'est possible de t'accueillir. Merci, pasteur. Bah, de rien. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Je vais attendre, hein? Ouais, là-bas. Merci, monsieur. Santo, voici la chambre. Merci. Hi. Cette chambre est belle, oh. Je vous en prie, merci. Donc, je peux m'allonger? Oui, c'est votre chambre. Oui, c'est merci. Votre chambre. Choi! Cette chambre... Choi! Ah, ça fait du bien. Je suis épuisée. Je vais visiter. Seigneur Tout-Puissant, t'es mon sauveur. En tout temps, tu resteras mon sauveur. Ô Christ, t'es ma lumière. En toi, je trouve mon bonheur. Qui est-ce? Qui est-ce? Charity? Charity, mais qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu veux cette fois-ci, Charity? S'il te plaît. Charity! Kenny, calme-toi. Je suis désolée. Je suis désolée pour tout ce que tu as fait. Oh, t'es pas désolée. Tu connais Jezabel. Tu prépares quelque chose, hein? Je sais que tu prépares quelque chose. Jezabel, qu'est-ce que tu me veux? Allez, qu'est-ce que tu me veux? Mon pied! Mon pied. Qu'est-ce que tu fais? Mon pied. Allez, qu'est-ce que tu fais? Tu m'as frappé au pied. Écoute, désolé. Je suis désolée pour tout ce que je t'ai fait. Écoute, désolé. Je sais pas ce qui m'a pris. Je réalise mes erreurs. Je te demande de me pardonner, mon frère. C'est bon, Charity. Allez, c'est bon. Écoute, ne pleure plus. Je ne voulais pas te frapper. C'est juste que tu me traites mal, Charity. Je suis ton frère. Je suis désolée. Et je t'aime. Je t'aime. Écoute, désolé. Pardonne-moi. Pardon, allez, je t'aime, Charity. Je t'aime, frère Kenny. Écoute, je te pardonne.
Écoute, je retire toutes les paroles que j'ai dit contre toi. Écoute, je t'aime. Je suis désolé. Écoute, je t'ai frappé. Je t'aime aussi, frère. Désolé. C'est juste que tu ne t'occupes pas de moi. Je suis désolé. Pardonne-moi. Je t'aime. Écoute, je t'aime. Je t'aime aussi, frère. Je t'aime. T'es ma sœur. Je suis vraiment désolée de ce que je t'ai fait. Tu me pardonnes? Bien sûr que je te pardonne. T'es ma sœur. Ok, je sais où est ta sœur Santo. Je peux te conduire à elle si tu veux. Vraiment? Oui. S'il te plaît, amène-moi là-bas. Oui. Ok, laisse-moi. Donc, tiens, amène-moi là-bas, s'il te plaît. Allez, amène-moi là-bas, s'il te plaît. Tu sais, tu devrais prendre soin de moi, Charity. Tu le sais, n'est-ce pas? Hein? C'est Perro. Par ici. Lève-toi, je t'y amène. Viens. Perro? Par ici. Hein? Perro, tu dis? Suis-moi. Mon pied me fait toujours mal. Voyons, Charity. Ce n'était pas mon intention, ok? Je suis désolé, Charity. Je suis désolé. Perro? Mais c'est bon. Désolé, Charity. Okundemo ifendemo imahelele mama ani twaja bata niluchuko kikabya ma imahelele mama okundemo ifendemo imahelele mama spiritual that is what we see imahelele mama okundemo ifendemo imahelele mama spiritual is what we see. When you may lose it, come. So you may lose it, come. When you may lose it, come. So you go mad up, people. When you may lose it, come. In my head, in the mama. Okundemo ifendemo imahelele mama ofonogo kamjaka imahelele mama matakili sinane aga ehura ijijintike sukuzwana imahelele mama okundemo ifendemo imahelele mama ofonogo kamjaka imahelele mama okundemo ifendemo imahelele mama ofonogo kamjibya wajimelezi kambu soso chugu malobimo wajimelezi. On est pas encore là. On est presque arrivé, hein? Allez, viens. On est presque là. Écoute, je suis fatigué. Est-ce qu'on pourrait se reposer au moins et s'asseoir un peu? Ça ne peut pas attendre. Faire une pause et se reposer un peu. S'il te plaît, je suis fatigué. Et ici? Oui, tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir. Moi, Je peux avoir de l'eau? L'eau? Il n'y a pas d'eau ici. Comment ça, il n'y a pas d'eau ici? Ça veut dire qu'il n'y a pas de hutte autour de nous? Je te dis que nous sommes presque arrivés. Tu as dit que tu veux te reposer. Ce n'est pas de ma faute. Tu vas boire de l'eau à notre arrivée. Kenechuku! Bien bas! Mon fils, viens, je t'ai acheté de l'okba. Je sais que tu aimes ça. Viens, oh, je t'ai acheté de l'okba. Kenechuku!
Oluchi, bonne arrivée. Où est Kenechuku? Kenechuku, ton frère? Je ne sais pas, je viens d'arriver. Il n'est pas dans sa chambre. Comment ça tu étais sortie? Alors où est Charity? Onye. Ta sœur, non? Je n'en ai aucune idée. Tu n'en as aucune idée. Donc tu es sortie pour aller chercher Odaramicha et des oranges. Maman, qu'est-ce que t'as acheté? J'ai acheté l'okba, mais c'est pour ton frère. Ce n'est pas pour toi. Va le chercher. Il ne le trouve pas? Kenechuku, il n'est... Cherche-le, cherche-le. Eh oh! Qu'est-ce que je suis fatiguée. Est-il là-bas? Viens manger ton okba, ogi okba. Oh, on marche. Dans ce cas, on devrait rentrer. On dirait que Sompto n'est pas ici. Attends, que veux-tu dire par là? Que veux-tu dire par Sompto n'est pas ici? Hein? On marche depuis une heure et j'ignore où tu m'amènes. Et à présent, tu dis que... Écoute, tu ne trouves pas ça drôle, hein? Je veux rentrer. Donc, c'est pour ça que tu me cries dessus? Hein? Tu as le culot de me parler? C'est... Pour cette raison, tu rentreras seul. Attends, tu me fais une blague là. Tu ne peux pas. Tu sais très bien que je ne vois pas. Comment peux-tu me demander de rentrer tout seul? Débrouille-toi, oh. Puisque tu bavardes, utilise tes yeux pour voir. Ouvre-les pour voir. Ramène-toi à la maison. Je m'en vais. Charity, je sais que tu rigoles. Moi, rigoler. Regarde-moi partir. Je m'en vais. Charity s'en va. Charity! Je m'en vais. Ognala. Non, mais t'es pas sérieuse. Oh, que si. Charity, tu sais que je ne vois pas et que je ne peux pas rentrer tout seul. Tu mens. Tu fais semblant. S'il te plaît, Charity. Charity, s'il te plaît. Charity! Charity! Charity, s'il te plaît, pardon. Je ne peux pas rentrer seul. Je ne peux pas rentrer seul, s'il te plaît. S'il te plaît, Charity. S'il te plaît. Je m'en vais. Je m'en vais. Charity, s'il te plaît. S'il te plaît, pardon. Je ne peux pas rentrer seul. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, ne me laisse pas. Trouve ton chemin. S'il te plaît. S'il te plaît, Charity. Charity. Peut-être qu'il est sorti. Je ne sais pas. Elle est là, la voilà. Tu peux lui demander, elle arrive. T'es rentré, hein? Tu as vu Kenichi? Sarolichi, bon après-midi. On salue, on salue. Oh, Charity, c'est sérieux ici. On cherche Kenichi. Ah, suis-je la gardienne de Kenichi? Si vous le cherchez, mais allez-y dans sa chambre. On l'a fait, il n'est pas là. C'est pourquoi je te demande. Kenichi n'est pas dans sa chambre. Non, il n'est pas là. Tu es peut-être sortie avec lui, tu peux rentrer avec lui. Mais pas de prononcer. Madame, d'où est-ce que tu viens? Maman, c'est quoi toutes ces questions? Je viens de chez mon copain. J'étais chez Amobi. Es-tu sûre? Hé, où d'autre irais-je? Ça, ce n'est chez Amobi. As-tu vu Kenichi quelque part là-bas? Est-ce qu'il vit avec Amobi? Je te dis que je sors de chez Amobi. Et toi, tu me demandes si j'ai vu Kenichi. J'ai l'air de l'avoir su ma tête. Il est introuvable. Mais c'est pour ça que le bien, non? Je n'ai pas vu Kenichi. Maman, ne gère pas cette fille, s'il te plaît. Hein? Est-ce que c'est moi qui l'arrête et l'aide à marcher dans la rue? Est-ce moi qui contrôle son bâton? Lâchez-moi. Bigot, tu l'as mangé dans la cuisine. T'as préparé? Dis-moi. T'as préparé? Tu étais sur le point de me dire. Tu ne l'as pas fait, c'est ce crétin? Mon crétin. T'as pas mangé, je suis un crétin de maître. N'importe quoi. Maman, c'est gentil, je ne trouve pas mon chute sur la guerre. Il ne lui arrivera rien. Tout le monde l'aime dans ce village. Oh, il sort de cette cuisine. Dis-moi, est-ce que quelqu'un a de ses nouvelles? Rien du tout. Aucune nouvelle. Je ne sais pas où est ma sœur. Et hier, quand nous sommes rentrés à la maison, Kenichi n'était pas là. Je te dis, il n'était nulle part. Nous avons fouillé le voisinage. Mais en vain, aucune trace de lui. À Dieu ne plaise. Mais qu'est-ce qui arrive à votre famille? Je ne sais pas. T'inquiète pas. Si j'ai des nouvelles de ma sœur, je te tiendrai au courant, d'accord? Je dois y aller maintenant. Je vais chercher mon frère.
Attends, mais attends. Je suis aussi un membre de la famille. Je vis avec toi. Et je pense qu'on devrait informer Aonienka pour qu'elle nous aide et qu'on aille la chercher ensemble. Merci, merci. Je t'en prie. Allons-y. Mais quoi, Niao? Hey! Quirogene, Adjokono, Gina. C'est quoi cette malchance-là? J'espère que je ne vais pas croiser mes ennemis sur mon chemin. Hein? Hey! Je me demande bien ce que tout ceci veut dire. C'est quoi tout ça, là? Hey! Mon Dieu, c'est pas possible. Obioma, bon après-midi. Qu'est-ce que tu veux? Egonume Kenenu. J'ai appris que Santo Chuku a disparu. Zyoku. Hein? Ifieno, tu as appris. C'est bien haut. Est-ce qu'elle est rentrée? J'ai honte de toi. Hein? J'ai tellement honte de toi. Tu étais si proche de mon mari quand il était en vie. Après sa mort, tu t'es transformé en un caméléon. Tu ne te soucies plus de mes enfants et moi. Regarde-toi, n'importe quoi. Tu as appris. Allez, ferme ta gueule. Je ne sais pas. N'importe quoi. Comment oses-tu me parler ainsi? Comment dois-je me soucier de vous alors que j'ai une femme à la maison? Non, mais c'est quoi ces bêtises? Tu as une femme à la maison. Une femme qui n'a rien du tout. Pas de fesses. Apia. Aucun derrière. C'est ça que tu appelles femme? Oui. Le singe, elle l'aime et on l'aime. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, oh. Hein? Donc tu sais que le singe n'est pas beau. C'est pourquoi tu cherches ce qui est beau. Hein? La beauté originale. Tu m'as vu, moi? Que le tonnerre te frappe. Et quand on a dit c'est quoi de nier? N'y a pas de nénéné. Quand il est joli, tu crois qu'il n'y a pas de nénéné. N'y a pas de Origo Bwengi, tu vas grimper et rester là-bas. Et tu ne descendras pas. Il n'est pas ici. Oui. On n'a qu'à moi. Hein? Les types, n'importe quoi. Gros cochon. Ah non, rien. Sale porc. Tu vas demeurer ainsi. Espèce d'animal. Maintenant, je vois pourquoi je demandais. Mais qu'est-ce qui se passe? Qui vient? Quelle est cette poisse qui arrive? C'est maintenant moi la poisse. C'était toi la poisse. Ah, animal. Allez, viens, suis-moi si tu veux. Ah non, Ria. Ah, oui, non, Ria. Espèce de sale chèvre. Et toi, un gros fou. Ok, tu as quoi? Jélien. Ah non, Ria. Akukura, mate. Mate, Akachika. Opuga, mate. Akwa no goda. Kene chuku! Okundemu, yefendemu. Kenechi! 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 Où est-ce qu'il a bien pu passer? Kenechi! 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 Écoutez, on va aller de l'autre côté. Oui, oui, par là. Je sais pas. Kenechi! Kenechi! Mais où est-ce qu'il a pu aller? Kenechi! Kenechi! Il y a quelqu'un? Kenechi! Kenechi! Dites, on a regardé par là? De l'autre côté. Non, de ce côté-là. Kenechi! 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 Je sais pas où il est parti.
Kenne, chi! Kenne! Il ne peut pas aller si loin tout seul. Où es-tu, Kenne? Où as-tu passé? Kenne, chi! Kenne, chi! Kenne! 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 Kenneth, reviens, s'il te plaît. Kenneth, où est-ce que tu veux qu'on aille? Faisons un tour. Kenneth, où es-tu? Sors de ta cachette, hein? Allez, sors. Toi, meuf. On dirait que t'es cinglo. T'es carrément assise sur ton téléphone pendant que je fais le ménage. Tu ne sais pas balayer. Je te pose une question. Sans somme, lâche-moi, voyons. Après tout, tu es notre domestique. Dépêche-toi d'aller balayer à l'intérieur. Somme-toi, tu vas vivre et tu vas voir. Moi, somme-toi, votre domestique. Oh, on est maintenant égaux, n'est-ce pas? Pas de souci. Toi et moi, on a fait les bons ensemble. C'est pour ça que tu me parles comme ça. Pas de souci. Tu sais quoi? On verra qui est né ici. Debout. Ah! Prends ce balai. Va, balai là-bas. Je suis... Oh! Je ressemble à ta domestique. Tu es malade. Regardez-moi cette petite idiote. Qu'est-ce qui se passe ici? Salope. Qu'est-ce qui ne va pas? Arrête. Tu es malade. Tu fais quoi? Tu t'agresses. S'il te plaît. Ewo. Arrête, Santo. Qu'est-ce que tu fais? Ewo. Chérie. S'il te plaît, viens. Chérie. C'est quoi toutes ces conneries? Bah, tu sais, c'est... Qu'est-ce que cela veut dire? Porte-toi. Je suis malade. C'est quoi ce comportement? Allez, va-t'en d'ici. Dégage d'ici. Fous le camp. Va prendre tes affaires. Pardon. Je suis désolée. Non. Désolée. Va prendre tes affaires. Allez, Odéa. C'est quoi comme ça? Je t'ai accueilli. Toi, tu m'as traité de... C'est moi pour t'aider. Ma fille, tranquille. Levez ta main sur ma femme. Madame, va-t'en de chez moi. Vas-y, pars. Ne touche pas. Dégage d'ici. Et moi? Laisse-la tranquille. Va-t'en d'ici. Laisse-la tranquille. Je vais te frapper. Okundemo, ifendemo, himma, hidden the bomb.
Tu resteras ici désormais. Cette voix. On dirait celle de ma mère. Merci. Merci beaucoup. Ouais, je suis ravi que tout se passe très bien. Je suis ravi que les ouvriers fassent de leur mieux. Et vu comment les choses avancent, je pense qu'avant la fin du mois prochain, tout sera prêt. Ok, tu viens à la maison et on en reparlera. Attends ici. Sikura, mec. C'est quoi pas ton de problème. Problème. C'est respecte-toi. Bon. J'essaierai de... Si tu t'adresses encore à moi comme ça, je vais t'en coller une. Dans ton village, on t'a pas appris à respecter les ingénieurs. Regardez-moi un ingénieur. Regardez-moi celui-ci. Un ingénieur. Attends, je te rappelle. Je l'ai vu dans l'une des chambres à l'intérieur. Tiens-toi là. Mec, calme-toi, non? C'est quoi? Du calme. Regardez qui parle. She's just a girl trying to survive. She wants to be herself. Oh, so beautiful. Every day, so much trouble. Every day, she wants to be herself. Chevaux ici. Iiii. Aïe! Oh, Guilini, qu'est-ce qu'elle est belle! Clémence, hey, monsieur, qu'est-ce que tu vas lui montrer la maison et assure-toi qu'elle aille bien. D'accord, monsieur. D'accord. Chine-kene. Madame! Ce sont les vraies fleurs! Madame! C'est par ici. Hein? C'est par ici. S'il te plaît. Hein? Il va te faire visiter la maison. Madame! Hein? C'est par ici. On n'entre pas? Non. Hein? Madame! C'est par ici. Je croyais que c'était par là. Non. C'est par ici. Votre maison est belle, oh. Merci. C'est par ici, madame. Hé. Hey. La maison est belle, oh. Aïe. Oh, aïe. Belle maison. Ouvre la bouche. Est-ce que c'est bon? Bien sûr que c'est bon. On dirait celui de ma mère. Ouvre la bouche.
J'espère que ça te plaît. C'est délicieux, merci. Ouvre la bouche. Le temps passe vite, ma chérie. Et toi, tu grandis très vite. Elle est intelligente, mais toi, tu l'es triplement. Monsieur. Bonjour, monsieur. Elle est là. Bonjour. C'est bon, Tom. Tu peux y aller. D'accord, monsieur. C'est quoi ton nom déjà? Fantôme, monsieur. Ah. Somto. Dis-moi, qu'est-ce que tu sais faire? Monsieur. Qu'est-ce que tu sais faire? Ah. Oh. Oh, gars, comme vous me voyez. Ha. J'aime la nourriture. Ha. Je ne blague pas du tout avec la nourriture. Du tout pas. C'est ça, monsieur. Petite madame, désolée. Désolée. Somto, ce que je voudrais dire, c'est que qu'est-ce que tu sais faire avec tes mains? Sais-tu cuisiner? Sais-tu laver? Qu'est-ce que tu sais faire avec tes mains? Mais monsieur, il fallait me le dire comme ça. Oga, moi, Somto, ha! Je sais tout faire. Écoutez, je sais faire la lessive. Je sais faire le ménage. Vous voyez la petite madame? Je peux laver ses cheveux. Vous voyez ses petits cheveux? Je peux les laver. Non, c'est bon. Je fais tout. Laver tout, je lave. Même cuisiner, je cuisine. Mm-hmm. Je sais faire très bien. D'accord, d'accord, c'est bon, c'est bon. D'accord, monsieur. Tu ne peux pas me faire à manger, tu le sais, ça, non? Hein? Tu le sais, maintenant. Merci, monsieur. Quoi qu'il en soit, ça va. Tu merci, peux retourner monsieur. Dans tes appartements. Je t'appellerai au cas besoin. Merci. Jolie petite fille. Et autre chose. Juste un rappel. J'ai renvoyé mon ex-blanchisseur parce qu'il ne savait pas faire son travail. D'accord, monsieur. Mais je vous ai dit que moi, je cuisine très bien. Vous avez dit que je ne peux pas préparer vos goûts, mais vous allez goûter un jour. Au gars, il n'y a pas de problème. On se verra plus tard. À tout à l'heure. Hey! Bien. Tabasse, abruti. Que le tonnerre te frappe là-bas, idiot. Je n'ai rien vu, oh. Ah, je n'ai absolument rien vu. Que le tonnerre te frappe toi de même. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu caches quoi? Qu'est-ce que tu as vu? Quelque chose. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu? Que t'as vu? Tu n'as rien à faire. Chose. Tu tomberas aveugle un jour. Toi, tu l'es déjà. En train de fouiner. Toi, tu l'es déjà. N'importe quoi. Laisse-moi profiter de la vie. Commère, si c'est pas à cause de la mauvaise nourriture que vous me donnez dans cette maison, est-ce que je vomirai? Vous m'avez donné du poisson ton âge à manger. Je ne sais pas. Tu es nulle. Qui ne sait rien faire. Voilà, je le savais. C'est de ta faute. C'est de ta faute. C'est la bouffe infectée et dégueulasse que tu me fais manger dans cette maison. Et maintenant, mise à jour. Je fais en secret. Tu le sais. Tu m'as donné du poisson. Laisse-moi manger, mais ça reste le poisson que tu m'as donné. C'est rien d'autre. Tu m'as donné du poisson. Je n'ai rien vu. Salut. Un mot. Comment tu vas? T'as demandé à me voir. Qu'est-ce que t'as? Un mot, oui. Je suis enceinte. C'est pas vrai. Je ne mens pas. Depuis quand? Je me sens pas bien depuis un certain temps. Et je n'arrête pas de vomir.
Je suis enceinte. Je sais que je suis enceinte. Mon système a complètement changé. T'es sérieuse? Oui, je t'assure. T'es sérieuse? Je le suis. T'es sérieuse? Wow! Donc je vais bientôt devenir papa? Regarde, mais regarde-moi! Donc, ma copine est une femme à part entière. Wow! Merci. Anobi, tu es content? Oui! Je suis très content. Je vais bientôt devenir papa. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux m'en débarrasser. Pourquoi? C'est trop tôt. En plus, nous ne sommes pas mariés. Oui, je sais que nous ne sommes pas mariés. Mais je ne veux pas que tu t'en débarrasses. C'est mon tout premier fruit. C'est mon garçon, s'il te plaît. Je ne peux pas. Je ne peux pas garder cet enfant. Je ne peux pas. Écoute, je te promets qu'une fois qu'on sera mariés, je te ferai autant d'enfants que tu voudras, s'il te plaît. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas prêts. Nous ne faisons rien. Comment allons-nous nous occuper d'un bébé? S'il te plaît, non, je t'en supplie. S'il te plaît. Oh. Je t'en prie. Je ne peux pas, s'il te plaît. Je vais m'en débarrasser, s'il te plaît. Attends. Elle est un cordon bleu. Elle? Qui? Tata Santo, bien sûr. C'est elle qui l'a cuisiné. Attends, tu veux dire que t'as pas fait ce repas? Non, papa. Tu te souviens m'avoir dit de ne pas préparer toute seule? Alors, elle a cuisiné et je l'assistais. Tu te régales, pas vrai? Peut-être. C'est délicieux tout de même. Qui t'a mise en scène? Réponds-moi. Je ne sais pas, maman. Comment ça, tu ne sais pas? Tu ne sais pas qui t'a mise en scène? Mm-mm. Tu es allée écarter tes jambes. Maintenant, tu ne sais pas. Qui t'a mise en scène? Je vais parler. Parle. Maman, tu me fais mal. Oh. Regarde comment tu déchires mes habits. Tu es allée écarter tes jambes à quelqu'un pour t'enceinter. Je n'ai pas écarté mes jambes. Et maintenant, tu es enceinte. Je n'ai pas écarté mes jambes. Alors, qui t'a mise en scène? Maman, laisse-moi parler. Maman. Allez, je t'écoute. Je vais parler. Tu penses que nous sommes en train de jouer? Ça a l'air d'être un jeu pour toi. Parler. C'est le Saint-Esprit. Pardon? Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Toba, guimé, mou quelque moyen. Quelle question. C'est le Saint-Esprit qui t'a mise en scène. Tu es devenue la Vierge Marie, ça? Maman, laisse-moi. Maman. Colle-moi la paix, s'il te plaît. Laisse-moi tranquille. Va vivre avec ce Saint-Esprit. Ne reviens pas dans cette maison. Non. Laisse-moi tranquille. Agnou, tranquille. Regarde-toi. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui m'a enceinte. Oui. Idiote. Le Saint-Esprit t'a mise enceinte. Tu me prends pour une idiote. Je connais mes enfants. Et je vais te donner une leçon. Parce que tu te comportes mal. Maman, laisse-moi tranquille. Maman, laisse-moi. Je suis une grande fille. Je connais mes enfants. Et toi en particulier. Où est cet idiot? Gardien!
T'es pas ici. Ok. Mais où est-ce que... Ok. Madame. Enfin, qu'est-ce qu'il y a, madame? Mon pote, viens là. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu es malade? Non. Est-ce que tu crois que tu peux m'espionner? Non. Alors, tu crois vraiment que tu peux m'espionner? Un simple gardien comme toi. Tu es le big boss, n'est-ce pas? Je parle, tu parles. C'est ça. Couche-toi là. Je dis couche-toi. Monsieur. Je dis couche-toi là-bas, tu ne comprends pas. Couche-toi. J'ai dit couche-toi. Quand ta tantine te parle, tu réponds. Tu n'as pas de respect. Monsieur. Couche-toi. Couche-toi. Tu m'espionnes. Monsieur, où avez-vous pris cette femme? Tu es malade. Reste tranquille. Mais... Tu m'espionnes. Mais je n'ai rien vu. Allez, tourne. Madame. Tourne. Mais je n'ai rien vu. Tourne. Écoute, la prochaine fois que je vais te surprendre à m'espionner quand je me lave, je vais te couper ton truc. Je vais couper ça. Oh, yeah, tourne-toi. Tourne. Allez, tourne. Monsieur. Ferme-moi ta gueule. Venez, monsieur. Venez, monsieur. Appelle-moi, madame. Madame. Monsieur. Appelle-moi, madame. Maman. Tu es malade. Appelle-moi. Maman. Hein? Maman. Maman. Tu es fou. Oh. Ok, maman. Ta maman. Apprenti. Comment oses-tu? Comment oses-tu, Somto? T'ai-je fait venir chez moi te battre? Ce n'est pas ça, Oga. Ah, c'est lui qui a commencé, non? C'est lui qui a commencé. Écoutez, regardez cet idiot. Il est venu dans la salle de bain pour me regarder, m'espionner quand je me lavais. En tant que qui, non? Pourquoi? Ah. Quoi? Thomas? Oui, monsieur. Est-ce que c'est vrai? Monsieur, je n'ai rien vu. J'ai juste vu une seule fois. Tu vas fermer cette gueule? Maintenant, écoute-moi. Que cela ne se reproduise plus dans cette maison. Oui, monsieur. Hors de ma vue, tous les deux. Merci. Merci, monsieur. Toi. Somto. Monsieur. Tiens. Assieds-toi. Oui. J'ai dit assieds-toi. Oh, oh, que je m'asseye là. Je préfère m'asseoir là. Merci, monsieur. Ouais. Merci, monsieur. Somto. Oui, monsieur. Assieds-toi sur la chaise. Que je... Oui. Merci, monsieur. Alors, dis-moi. Qui a préparé le repas qu'on a mangé hier? C'est toi ou bien ma fille? Ok. Ok, le repas. Le repas. Ok. C'est votre fille, monsieur. Votre fille. Ma fille a fait ce repas? Oui, monsieur. Ok. Pardon. Ne vous énervez pas. En fait, c'est moi. Je jure au nom des dieux. Je ne vais plus m'approcher de votre cuisine. Pardon, ne vous énervez pas. Pourquoi tu t'excuses? Monsieur? Je te posais juste une question. Et d'ailleurs, ta bouffe était bonne. Au cas, vous avez aimé ma nourriture? Et je confirme le fait que t'es encore... Hi! Ok, merci. Oh. Que Dieu vous bénisse, Oga.
Merci. Hey, merci d'avoir apprécié mon repas. Que Dieu vous bénisse. Merci. C'est bon, assieds-toi. Assieds-toi. Hi. Tu sais, j'ai pris la décision que tu aménages au bâtiment principal ici. Je veux dire, afin que tu puisses facilement faire ton devoir en tant que mon chef personnel. Ok. Vous me taquinez, vous blaguez. Je n'ai pas bien entendu. Attendez, je vais nettoyer mes oreilles. Oh, Oya, dites-leur car. Je te demande d'aménager dans le bâtiment principal. Ok, moi, Santo, que je vienne vivre ici, que je vienne vivre dans cette belle maison. Hey! Oh, Oga, vous êtes... Hey, Santo, tu as percé. Oh, Agada! Agada, j'ai percé. Je vais habiter ici. Je serai votre... Oh, monsieur, désolé. Oga, je vais partir. Hey! Mon enfant, dans la vie, on ne récolte que ce que l'on a semé. Garde toujours ton cœur pur. Fais le bien. Et laisse-le se battre à ta place. Lorsqu'on te fait du mal, qu'on te fait du mal parce qu'il est plus fort que toi, ne t'en fais pas. Un jour, Dieu combattra pour toi. Garde juste la tête haute et fais le bien. Tes bonnes œuvres parleront pour toi un jour. Enano, m'as-tu entendu? Je t'entends parfaitement bien. Bien. Hé, hey, maman, je ne sais pas ce qui arrive à notre famille. Hein? Tu te rends compte, ma sœur Santo? Elle est carrément introuvable. Et maintenant, Kennedy est portée disparue. Hey, Ijomika Jona. Si tu me demandes qu'est-ce que je peux dire, une chose que je sais, c'est que cette histoire est déroutante. Et je suis confuse. Et cerise sur le gâteau. Charity est tombée enceinte sans être mariée. Hey, Dieu se lèvera. Un jour, et mettra nos ennemis dans la rue. Parce que je sais que toutes ces choses qui se passent ne sont pas ordinaires. Maman, ma plus grande préoccupation est mon frère. Mon frère aveugle. Qui sait s'il est encore en vie? Ah oui. Hey, maman, et si on l'avait kidnappé? Dans ce cas, ils auraient appelé pour demander une rançon. Ok, et s'il s'agissait d'un cas rituel? Dieu m'en préserve. Le Dieu que je sers, le Dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob, ne laissera jamais une telle chose m'arriver. Wamchukubetam. Maman, tu crois qu'on devrait appeler un pasteur? Un pasteur? Oui. Si on arrive à trouver un puissant homme de Dieu, je ne vois pas de mal à ça. Devons-nous impliquer la police? La police? Oui. Combien y a-t-il dans ton compte? Ah, je n'ai pas de compte. Tu n'as pas de compte? Mm-mm. Alors, ferme-moi ta bouche. À ton avis, je me devais de la faire. J'avais pas trop le choix. Oui, c'est vrai. Je n'avais pas trop le choix. Tu aurais fait quoi, toi? Non, dis-moi, tu aurais fait quoi? Est-ce que tu attends quelqu'un? Non, pas du tout. Va voir qui c'est. Je vais ouvrir. Qui est là? Qui est-ce qui est là? Maman!
Mon fils. Regarde-toi. Tu as l'air en pleine forme. Maman, bonne arrivée. Merci. C'est tellement bon de te voir. Merci, mon fils. Mamie. Ma jolie petite. Mamie. Adézé, ma puce. Tu lui as vraiment manqué, hein? Oh, je peux voir ça. Ma princesse. Ton voyage a été... C'était bien. Ça va. Bon. Bonsoir, maman. Bonsoir, ça va? Ça va, maman. Oh, mon garçon, tu es là. Maman? Que fais-tu encore là? J'allais dans ta chambre pour te voir. Eh bien, je suis juste venu m'allonger comme ça, après avoir fait un dormi destiné. Tu sais, j'ai passé une mauvaise journée au boulot aujourd'hui. Je vois. En fait, j'aimerais te parler de quelque chose. Ok, d'accord, maman. Je t'écoute. Qui est-elle? Qui est-elle? Ah. Qui est-elle, cette fille? Cette fille, qui est-elle? Oh, maman, tu veux dire Somto? Eh bien, c'est une jeune femme belle et travailleuse dont je suis tombé amoureux et je compte faire d'elle ma femme. Tu comptes épouser cette fille? Donc, de toutes les jolies filles de la ville, celle que tu as choisie, c'est une bègue. Une. Tu vas l'emmener dans ma famille. Maman, je l'aime. Et Destinée l'aime encore plus que je ne l'aime. Elle l'adore. Et d'ailleurs, depuis quand le bégaiement est un handicap? Donc le bégaiement n'est pas un handicap, hein? C'est ça? Maman, si le cas était renversé, et si j'étais bègue, penses-tu que Somto m'aurait rejeté et refusé de m'aimer parce que je suis bégaie? Je n'accepterai jamais aucune bègue chez moi tant que je serai en vie. Est-ce que tu m'as entendu? Je suis ta mère. Et quand je te dis quelque chose, tu te dois de m'écouter. Maman, ici, c'est chez moi. Et laisse-moi te rappeler que les histoires que tu m'as racontées, tu as eu le privilège d'épouser Ellie. Estimant que tu étais bègue et que papa t'avait amené chez lui et que sa mère t'avait rejeté parce que tu bégais. Ça, c'est mon histoire, oh. Mais dans ce cas, tu es mon fils. Et dans ma propre histoire, je ne voudrais pas qu'une bègue s'introduise chez moi. Est-ce que tu comprends? Je ne suis pas d'accord, oh. Donc, s'il te plaît, réfléchis-y. Eh bien, je vais aller me coucher. Passe une bonne nuit. Cette fille. Et passe est... des bons moments aussi. Et tu ne peux même pas dire bonne nuit à ta mère comme il se doit. Hein? Hein? Bonne nuit, maman. Yay! Les enfants d'aujourd'hui. Hein? On verra bien. Ma jolie petite fille, tu sais que t'es jolie. Oui. Je te fais les tresses, ok? Ok. Quand ton père sera de retour le soir, il va te trouver très belle. Ok. D'accord. Tu es très belle. Ça te fait mal? Oui, ici. Destinée? Oui, mamie? S'il te plaît, va dans ta chambre. Je voudrais parler à ta tante. Je passerai plus tard. D'accord. Je te verrai plus tard, d'accord? Bye.
taille. Celui-ci. Né. Il y a quelque chose que j'aimerais te dire. Je l'aime. Oh, Omoago. Eh bien, en fait, écoute, je venais te dire que je ne t'aime pas du tout. Et tu ne peux pas épouser mon fils. Tu ne peux pas épouser mon fils. Donc, de grâce, fais-toi une raison. Je veux que tu quittes cette maison et que tu laisses mon fils tranquille, s'il te plaît. Oh, maman, ton fils m'aime beaucoup. Il m'aime beaucoup. Hein? Né, est-ce que l'amour est ton trophée? J'ai déjà dit, je ne t'aime pas. C'est mon fils. Et je suis sa mère et je ne t'aime pas. S'il te plaît, pars de chez moi. Tu dois quitter cette maison. Maman, moi, Santo, je suis une bonne fille. Je n'ai aucun problème. Maman, donne-moi juste une chance. Hein? On dirait que tu ne comprends pas. J'ai dit que je ne t'aime pas. Tu me racontes des bêtises. Va-t'en d'ici et laisse mon fils tranquille. Est-ce que c'est clair? Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Je ne t'aime pas. Oh. Pas de problème, maman. Ok, non. Qu'est-ce que je vais faire maintenant, non? Est-ce que je ne suis pas une bonne fille? Je suis une bonne fille. Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai demandé de partir de la maison de mon fils. Que fais-tu encore là? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas la fermer? As-tu perdu la tête? Que fais-tu encore ici? Tu m'as sifflé! Allez, dégage! Dégage d'ici! Ok, que je m'en aille. Tu es folle! Comment oses-tu? Comment as-tu osé? Hé, hey, Timo! Hé, hey, wow! Hé! Hey. Hé, wow! Tu as osé me gifler? Tu as perdu la tête? Timo! Regardez-moi ça! Ne t'avise plus jamais! Dégage! Dégage! Fous le camp! Si tu veux te battre, t'as qu'à aller dans une salle de boxe et bats-toi. Oui, dégage. Je m'en vais. T'amènes chez moi et t'as le culot de lever la main sur ma mère. Dégage. T'es cinglé. Calmère. Tu déconnes. Toi-même, dégage. N'importe quoi. Ma maman. Fils à ma maman. Ose un peu de me toucher. Tu auras ta dose. Tu es malade. Dégage. Volcan! Toi-même, dégage! Si tu cherches où te battre, t'as qu'à aller dans l'armée. Trouve un soldat et bats-toi contre lui, idiote! Dégage! Entre! Thomas! Thomas! Monsieur! Entre! Viens foudre cette folle à la porte! C'est toi l'idiot! Dis n'importe quoi! Tu appelles ton stupide gardien! Tu passes le temps à chialer! Venez, madame! Quand le tonnerre te frappe! Quand le tonnerre te frappe! Madame! Qu'est-ce que ça te frappe? Écoute, non! Fiche le camp! Madame! Tu n'es qu'un idiot! Et
Mec, mon pote. Je suis très content de te voir, je t'assure. Mais mes vieux amis, dites-moi, c'est comment là? Je remercie Dieu de te voir. Quoi de neuf, non? Je suis là. Je pète la forme. J'ai percé. On rend grâce à Dieu, je t'assure. Qu'est-ce que tu croyais? Tu croyais que je suis morte? Écoute, ta broutille n'est pas mort. Moby, je te jure, si je vois Moby, il aura affaire à moi. Il croit que je l'ai oublié. Je vais mener la vie. Je me connais, non? Vous me connaissez, non? Vous croyez que je l'ai oublié? Il va m'entendre. Il croit que je l'ai oublié. Calme-toi. Détends-toi. Tu viens juste de rentrer de la ville. Et la ville t'a même changé. Ouais, je t'assure. Mais tu en fais déjà tout ton plat. Mec, oublie ça. Doucement. Oublie ça. Tu parles pas parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce que j'ai traversé. Ouais. Tu n'en sais rien. J'ai souffert. Je t'assure. J'ai traversé des rivières avant d'arriver ici. Je vais montrer à cet idiot. Tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Somto, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Hein? Le plus important, c'est que le chef ne te recherche plus. Donc, maintenant, tu pourras librement comme un oiseau. Hein? Un peu comme un oiseau, tu pourras vivre librement. Tu sais, je m'en tape du chief. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de chief? Eh oh. Qui est-il? Est-ce qu'il mange le fer? Qu'est-ce qu'il peut bien me faire? Qu'il vienne, je n'ai pas peur de chief. Si... Il veut qu'il vienne, je suis prête pour lui. Mes potes! Mes potes! Respect. Mes respects. Mais tu sais quoi? Cet argent que tu m'as donné... Ah, c'est bon, oublie ça. Cet argent... Oublie, t'es ma personne, hein? Dans ce village, tu es ma personne. C'est ce qu'on fait entre nous. Ce fric, je t'assure. Et pour ton info, je ne suis plus au marché. Je suis à Obolo. Maintenant, je gagne du fric. C'est vrai? Je t'assure. Détends-toi. Tu vas te joindre à moi. Ouais. Tu sais comment ça marche? Soto, tu ne vas pas changer. Je ne peux pas changer. Je ne peux pas changer. Allez, pourquoi est-ce que je dois changer? C'est moi, Somto. J'espère qu'il y a quelque chose dans ce sac. Assez. On y va. Je vais t'aider à porter ça. Écoutez, vous n'allez pas venir avec moi chez mon père. Vous savez comment mes sœurs sont. Mais la ville est bien pour toi. Charity, tu me cherches des embrouilles. Tu n'aimes pas partager tes choses. Enlève mon tricot. Enlève-le. Tu cherches des ennuis, c'est ça? Ferme ta bouche. Tu vois ce haut? Il va rester là. Jusqu'à ce que j'aille et que je revienne. Je serai là vers 14h. Et à mon retour, prépare-moi ta robe bleue. Je compte la mettre pour aller voir mon chéri. Je vais aller voir mon chéri. À ton retour, je mettrai le feu sur tes habits. Oui, vas-y. Je te le promets. Si tu veux mourir, je ne mourrai pas. Tu n'aimes pas te respecter. Enlève mon habit. Enlève mon habit. Madame, avant que tu ne rentres, je mettrai le feu sur tous tes habits. Sur mes habits? Oui. Essaye de savoir si jamais tu es forte. Dis-moi. Laisse-moi. Arata est rentrée. Je n'y crois pas. Regarde-toi. Hey! Ma sœur, qu'est-ce que t'es belle. Pas cette chose. Agrata devait rentrer. Je le savais. Oh, po. Niala. Niabala. Idiote. Regarde-la. Va enlever mon habit. Espèce d'idiote. Mes habits, tu t'imagines? Je t'attrape le fil sur tes habits. T'inquiète pas. Laisse-moi t'aider. Ma sœur, bonne arrivée. Allez, à te faire voir. Voici ma véritable sœur. Idiote. Ma véritable sœur est de retour. Tu n'as rien à dire. N'importe quoi. Vas-y, va te faire voir. Regarde-toi. Oh. Ça va.
c'est ce qui s'est passé. Nous l'avons cherché partout. Hey, étonnez-moi. Ma maman. Maman. Ebene, Bena. Arrête de pleurer. Arrête. Maman. Maman. Qui est-ce enfoncé? C'est pas ma fille. C'est pas. Hey! Tu ne m'auras pas. Isolé. Arrête. Enfoncé personne. Il n'est pas enfoncé. Je te promets. Je te promets, s'il te plaît. On va le trouver. Hey, Kagacho. On va le retrouver. Trouver, s'il te plaît. Maman. Frère. Ton frère. Mon garçon. Essaye de la calmer. Ne fais pas ça, sinon je vais m'attraper. On va le retrouver. Every day. So much trouble every day. She want to be herself. Oh, some tochiku. Some tochiku. Some tochiku. Hey! Maintenant je te tiens. Non, non. Maintenant je te tiens et tu vas me le donner. Tu vas me le donner aujourd'hui. Tu vas me le donner. Tu es malade. Tu es malade. Hey, hey. Tu sais bien. Tu veux me sauter? Tu es malade? Tu veux me sauter? La prochaine fois que tu vas le faire, je vais te casser la gueule. Vas-y doucement. Tu vas me tuer. Vas-y doucement. Attention, tu vas me faire mal. Tu veux coucher? Vas-y. Tu veux coucher avec ta fille? Tu es malade? Allez. Lève-toi. Idiot. Dégage. Coucou. J'ai des cours. Sorcier. Ose encore me toucher. N'importe quoi. Kene Tchougou. Oh, Kené! Kené Tsuku! Où est-ce que tu es, Kikene? Viens. Les enfants de nos jours sont tellement impolis. Hein? Reviens ici, je te parle! De quoi est-ce que je me mêle? Tu es malade? Respecte-toi, respecte-toi, je t'avertis. Tu n'es vraiment qu'une idiote. Écoute, ne me pousse pas à te mettre une baffe. Bien, frérot, écoutez. Je ne suis pas d'humeur. Je ne suis pas. Laisse-moi tranquille. Sinon quoi? Qu'est-ce qui va arriver? Tu vas me frapper? Ou alors me transférer toute ta vilaine colère? Oui, c'est exactement ce que je vais faire. Je suis stupide, je vais le faire. C'est à ta défaut de mère que tu vas transférer cela. Hey! Ma mère? Ma mère? Je suis stupide. Malade. Ma mère? Je suis malade. Respecte ma mère.
Laisse-nous tranquilles. Les morts doivent protéger les vivants et pas leur faire du mal. Tu dois savoir qu'elle est sous l'effet d'un charme. Omutaka! 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 Udoma! Mrizu! Si tu restes ainsi, tu seras incapable de livrer les batailles de l'autre monde. Tomtochuku! Tomtochuku! Mnizu! Devo brucate che ma! Piano cade ma ni muota crio! No, what I care with the wound, I'm again not there. Oh, when they for the phone, what I care, I will mean. Oh, rule, no. When you demand what I care, no. Yeah, I care what I care, that was a. I book a little moon, no commando. No commando, Nandike. Mrizu, Nudoma. Oh, rule, oh, rule. Lève-toi, ma fille. Debout! Les dieux font des choses au-dessus de l'entendement humain. Santochuku, lève-toi! Va! Va livrer ton combat! Arrête-toi. Règne sur la forêt tout entière. Moi, Somto, je te supplie de faire de mon voyage une réussite. Issei! Somto, tu cours! Moi, Gabo! Maman. Depuis que je suis venue dans ce monde, je n'ai jamais vu un truc pareil. Le tonnerre d'hier était très étrange. Maman, le tonnerre a frappé certaines maisons et arbres. Tu sais ça? Tu connais Mazik, le maître de l'école primaire. Il est maintenant sans abri. Oui, ce matin, il est rentré chez sa mère avec sa famille pour trouver un toit dont ils n'ont plus où vivre. L'arbre maudit du village a été également frappé. Et non quoi? Alors finalement, ce grand arbre est maintenant tombé. Ça c'est sûr. Je t'assure. Oh, ça me rappelle. Maman, le plus triste dans tout ça, on n'aura plus les bonnes mangues et les oranges provenant de ces arbres. C'est vraiment dommage. Onye Uracha, tu veux les mangues ou tu veux? Quand vas-tu arrêter? Maman, ces mangues sont tellement bonnes. Mais si c'était à l'époque, on dirait que c'est une calamité. Ou que les dieux sont en colère. Ou quelque chose d'étrange est sur le point d'arriver. Mais Dieu merci, nous sommes entre de bonnes mains. Mon Dieu, nous te remercions de nous épargner. Qu'allons-nous manger ce soir? Ah, mais ce n'est pas ce qu'on prépare là, maman. Ma fille,
Va préparer le riz blanc. Attends. Allier, nounounou. Maman, viens-tu de regarder dans cette direction et me dire, né, d'aller faire du riz? C'est parce que je suis assise ici. Maman, bico, 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 je ne veux pas, je ne veux pas. C'est quoi ces bêtises-là? Tu as quelqu'un en face de toi et tu te tournes pour un nez. Tu es stupide. Je ne comprends pas. Tu vas te casser le cou ou quoi? Afin qu'on puisse manger, ne vas-tu pas manger? Dis-le à cette fille. Donc, tu ne vas pas manger? Oui, je ne mange pas. Si c'est le cas, personne ne mange pas dans cette maison. Dis-le à ma sœur aînée. Ta grande sœur aînée, mon œil. Grande sœur aînée, mon œil. Faire une toute petite cuisine te dépasse. Hein? Tu te plains pour faire plus du riz. T'es incapable de le faire. Maman, je me demande quel homme va l'épouser. Sœur aînée, mon œil, oui. Regardez quand vous... Écoute, quand tu vas te marier... Oui, 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 Je ne viendrai pas chez toi te faire à manger parce que t'es paresseuse. Tellement de choses me sont passées par la tête. Sommes-nous en sécurité? Parce que tout ça est assez surprenant. Ok, que dira-t-on du coup de tonnerre et de l'éclair qui s'est abattu et a laissé tant de gens sans abri? Comment appelle-t-on ça? Eh bien, je suis encore sous le choc. Le plus surprenant, c'est comment est-ce qu'il a réussi à renverser cet arbre maléfique qui existe depuis plus de 4000 ans. Non, mais tu t'imagines? J'ai aussi appris que Mazi Igbe est rentrée chez sa mère à cause de cet incident. C'est judicieux. Qu'allait-il faire? Allait-il dormir avec sa famille dans la rue? Et le plus étonnant, c'est que l'unique maison que son père lui a légué, a été détruit. Hey. Il soutient sa famille à partir de son travail d'enseignant. Maintenant, il est sans abri. Ha. Alors, nous sommes tous dans ça, dans ce village. Mais je crois fermement que ce signe est un mauvais présage. Toi. Ouais, attends, un instant. Ça me revient. Qu'en est-il de ton frère et de ta sœur? Ces gens-là, ils ont le mal dans leur peau. Mais vous êtes du même sang. Tu ne peux rien faire contre ça. Sophie, à quoi? Ce n'est pas mon sang et ils ne le sauront jamais. En fait, particulièrement cette Somto, je la déteste. Je ne suis pas liée à Elo. Je ne sais même pas ce qu'elle fait dans cette maison. Non, pas Yala. Je n'y crois pas. Donc, t'es ici, avec ton crétin. Vous vous amourachez, hein? Maman est de retour. Je vais lui dire. Tu refuses de laisser ma sœur? Tu vas aller le dire à maman. Oui, je vais aller. Maman! C'est quoi cette stupide idiote? De quoi? Viens-moi, Charité! Maman! Viens-moi, Charité! Idiote! Pourquoi? Pourquoi il s'enfuit? Viens-moi, comment tu t'enfuis? Allez, viens! N'importe quoi! Ndoflugu, Dinche, Ndokomadu, Namudu, Iria, Wandiko, Oringo, Ondi, Nona, ma pieguda, Ola, ma piebula,
Santo Kazemo, Santo Chuku, sois libéré de l'esprit de Begemar. Vis librement. Je suis libéré. Je suis libéré. Je suis libéré de l'esprit de bégaiement. Je suis libéré de l'esprit de bégaiement. C'est fait. Je suis libéré de l'esprit de bégaiement. Ma langue est dénouée. Ma langue est dénouée. Jamais plus je n'entrerai dans cette prison. Je suis totalement détaché de toi, esprit de bégaiement. C'est fait. Bien, c'est quoi ça? Je ne te blâme pas. Je ne te blâme pas. La seule chose que tu sais faire, c'est comment boire et t'écrouler dans les rigoles. Ah non, rien. Et où? Non, rien. N'importe quoi. Non, au fantôme qui est derrière toi. Foyer, hein? Tu es celui qui va faire ses affaires et partir. Ce ne sera pas moi parce que moi j'ai tout ce qu'il me faut. Je suis venu pour rester. Personne ne me mettra hors de cette maison. C'est tout ce que tu connais, Okunu. C'est tout ce que tu connais, Okunu. Nenu, Bitagake, Okugikake, Akarake. Tu m'entends? N'as-tu pas honte de toi-même? Tu crois que j'ignore pourquoi Charity t'a battu l'autre jour? Parce que tu cours après Amobi. Et je vais te poser une question. Tu ne sais pas. C'est la seule chose que tu connais. Honte à toi, Okunu. Tu n'as vraiment aucun scrupule. Essaie un peu de te retenir. Essaie un tout petit peu de te retenir. C'est mieux. Parce que j'ai seulement gragué Amobi. Et toi donc? Tu cours après tout ce qui porte une jupe. La poule passe, tu suis. La mouche passe, tu suis. Hey! Jusqu'au point, hein? Où tu cours après son tour, la fille de ton frère, hein? Un enfant que tu as tenu, quelle honte! Honte à toi aussi, à quoi est-ce que ça te concerne? Honte à toi aussi! Higako, Higano Poku! Je ne te défendrai plus, tu peux dire adieu! Ne le fais plus! Qui t'a demandé? Oui, j'accepte qui t'a demandé de le faire? Qui t'a demandé? Okuga Kagake! Laisse-la pour moi! Laisse-moi! Hé, Akada! Ah! Je venais justement chez toi! Qu'y a-t-il? C'est quoi le problème? Vous avez vu ma sœur Somto? Non, je ne l'ai pas vue depuis le matin. Et... Elle est peut-être allée au marché. Je ne sais pas, je ne suis pas encore allée au marché. Peut-être qu'elle y est. T'as vérifié dans sa chambre? Ah, sa porte est bloquée de l'intérieur. Donc je suis allée voir par la fenêtre, mais elle n'était pas là. Oh, cette fille, Somto encore. Tu l'as vue? T'as vu Somto, toi? Non, je ne l'ai pas vue. J'étais surpris quand je ne l'ai pas vue arriver au travail aujourd'hui. Somto ne peut aller nulle part sans nous dire où est-ce qu'elle va. Où est-elle passée? Ok, voilà ce qu'on va faire. Quoi? Je vais aller au marché. Une fois là-bas, j'irai la chercher. Ok, dans ce cas, je prends la route du champ. Je vais la chercher. Ouais. Peut-être qu'elle y est allée ce matin, vous la connaissez? Merci. Merci, d'accord. Bonne chance à vous, bonne chance au marché. Merci. Vas-y doucement. T'inquiète,
n'est sûrement d'accord, pas loin. J'y vais. Certainement, elle est dans le coin. Je ne suis pas sûr qu'elle soit allée très loin. Tu crois qu'elle s'est encore battue? Hey! Ah tiens, où est l'argent que je t'ai prêté? Rends-le-moi, j'en de ai besoin. De quel argent parles-tu? Bah, l'argent que je t'ai prêté l'autre jour, tu me l'as rendu? Bah, mais de quoi tu parles? Mais quoi, qu'est-ce que tu racontes? Je t'ai prêté de l'argent, j'en ai besoin. Qu'est-ce que tu as? Et toi? Qu'est-ce que tu regardes? Allez, dégage ici, ça dit tiens, tu penses quoi? Quand tu vois où ta méchanceté t'a menée? Qui est-ce que tu as insulté? Dis-moi. Fous-moi la paix. Ne vois-tu pas que j'ai mal au cerveau? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu as? Ça fait mal? Il t'a frappé? Qu'est-ce qu'il y a? Mets-moi à l'hôpital. Charité. Je meurs. Charité. Je meurs. Maman! Je m'en... Charity, qu'est-ce que tu as? J'ai cru que tu blaguais. Charity! 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 Maman! Femme, je peux voir notre belle-fille se demander où elle est et ce qu'elle fait. Mais je vous promets qu'elle sera de retour. Mais d'une manière mystérieuse. Ikenga, bikoko wano kwangonta kino zowo komam. Femme, j'ignore quand est-ce que ça arrivera. Et es-tu en train de dire que je dois m'inquiéter? Hein? Oui, vous devez vous inquiéter. Eh oh, Ikenga. Mais préparez-vous pour ça. On y est où le dogou de Gali? Comment puis-je m'inquiéter? Oya, prépare-moi, non? Afin que je sois prête pour son retour. Biko. J'ai le mot. Wadou Abeki, j'ai le mot. Dogou. Wale de le mot, mais. Oboa mi bengo mot. Madame, ça va? Je vais bien. Je vous remercie. Ma chérie. Bébé. Amour, mon bébé. Mon bébé. Amour. Mais je t'avais dit de ne pas faire ça. Mais tu n'as pas voulu m'écouter. Alors, si tu étais morte, que serais-je devenue, moi? Je ne vais pas mourir. Charité. Bébé. Êtes-vous son mari? Oui, docteur. Oh, remerciez Dieu pour sa vie. Ah. Oui. Et l'enfant, est-ce qu'il est encore? N'en faites pas, le bébé est là. Il va bien. Mon fils est là. Oui. Amour. Dieu merci. Docteur, que Dieu vous bénisse. Je vous en prie. Prenez bien soin d'elle, s'il vous plaît. D'accord, docteur. Merci. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Je vous en prie. Aïe. Mon fils est encore là. Oui.
Tu me déçois, mais vraiment. Hey! Tu n'es qu'une idiote. Tu n'as encore parlé. T'es chanceuse que je ne t'ai pas laissé mourir. Et t'es amenée à l'hôpital. Si je meurs, aurais tu une autre sœur? Bien sûr, Santo est ma sœur, tu ne le sais pas. Tu n'es qu'une copine, n'importe ma sœur. N'importe quoi, tu ne peux pas être un exemple. Tant que tu serais née, tu n'es pas un exemple. Tu écartes tes jambes. Sorinée, des bêtises de la part de cet idiot. Regardez-les. Si votre femme... Oui, si ma femme... Santo, tu ne rentreras pas en vie. Tu es morte. Tu ne rentreras pas en vie. Santo, Chuku, tu es une personne morte. Tu es une personne morte. Tu es morte. Ah! Omé. Santo. Santo. Cours. Cours. Santo Chico, Mangaba. Santo Chico, Yokoko. Santo Chico, Alumenemo. I don't know what to do. Santo Chico. Papa, t'as dit qu'on irait quelque part. Où ça peut être? Eh bien, nous irons à. Umuago. Umuago. Allons-nous ramener Tanzonto à la maison? Non. Eh. Après avoir bien réfléchi, j'ai décidé de ne pas ramener Tanzonto. Et d'ailleurs, papa voit quelqu'un d'autre. Papa! Maman! Papa doit se marier. Et en ce qui concerne Zomto, je ne sais pas vraiment d'où elle vient. Mais elle a dit qu'elle est de moi, Go. C'est ce qu'elle a dit. On ne peut pas en être sûr. Elle pourrait avoir monté tout ça, parce qu'elle sait qu'on vient du village voisin. Alors, dis-moi, est-ce que mon bébé vient avec moi ou pas? Allez, dis-moi. Comme si j'avais le choix. C'est mon bébé. Viens là. Écoute, tu vas également l'adorer. C'est une nouvelle tante. Je te le promets. Hein? Allez, mange. Mange-toi. Souviens-toi que le docteur a demandé que je prenne soin de toi. C'est pourquoi j'ai mis 3 viandes. Un moment. Mais je mange, non. Je mange, j'essaie. Finis de manger. Il est possible que notre fils soit le prochain président de ce pays. Vraiment? Oui. Et à cause de ça, je parlerai à mon père pour que nous allions payer ta dot. Amour, Bibou. Amour. Ouais, merci beaucoup. T'es sérieux? C'est vrai. Hey, mes ennemis auront honte. Mais oui. Ils pensent que je ne vais jamais me marier. Ils ont dit que tu ne payeras jamais ma dot, ma nanani. En plus de ça, tu n'épouses pas n'importe qui. Tu vas épouser l'amour de ta vie, Amobi. Oui, il y en a chuchoumo. Ah, ok. Tu vas me chuchoter. Amobo, touche-moi. Non. Est-ce que ça a commencé? Je n'ai absolument rien d'autre à faire si ce n'est de m'occuper de toi. Comment va mon fils? Il va bien? Il va bien. Fiston? Il va bien.
ivede nampu. Ezi bonwam ivede nampu. Ivede nampu. Ivede nampu ye ponu ya. Ivede nampu. Ivede nampu ye ponu ya. Ikuku na bia. Anyamarezo sabia. Echi di ime o. Anyamarevo ya mo. Ezi bonwam. Ivede nampu. Nwamo ivede nampu. Ezi bonwam. Ivede nampu. Ivede nampu. Ivede nampu ye ponu ya. Ivede nampu. Ivede nampu ye ponu ya. Ikuku na bia. Anyamarezo sabia. Echi di ime o. I am a revogamo. Ezi bonwamo. Ivede nampu. Le moment est venu. Le moment est venu. De quoi est-ce que tu parles? De quel moment tu parles? Ikenga wokike, okiko nyikaneme. Hia, somto chuku. Ikenga wokike. Tu ne rentreras pas en vie. Tu demeureras stagnante. Somto chuku. Tu es morte. Somto, tu es morte. Tu es morte. Tu es morte. Arrête. J'ai dit arrête ça. Ton temps est arrivé. Ta fin est arrivée. J'étais en train de t'attendre. Tu ne peux rien me faire. Maman, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'elle confesse tout. Qu'est-ce qui arrive à ma mère? Pardonnez-moi. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Charity. Hein, maman? Tiens-le-moi. Obuya Kenegi. Tiens-le-moi. De quoi? Femme, qu'est-ce que tu veux? Sage, ma co-épouse est enceinte. Et moi, première femme, je ne le suis pas. Fais un vœu et il te sera accordé. Homme sage, je veux que son bébé soit aveugle. Oui. Abio, Guidi. Au bois musique coco. Femme, prends ceci. Donne-le-lui. Homme sage, donc si je lui donne ça, le bébé sera aveugle. Bien sûr. Hey, homme sage. Ah, bien, Big D. Oh, Gadi, ma chère co-épouse. Jolie femme. Hey,
Malgré cette grossesse, tu es toujours aussi belle. Tu le sais, tu es si rayonnante. Mais moi qui ne suis pas enceinte, je ne suis pas aussi rayonnante. Ma chère Quick-Pouze, tu me donnes le sourire. Hey. Merci beaucoup, ma sœur. Oh, dis-moi, oh, dis-moi. Alors, comment se porte notre bébé? Hey. Mais notre bébé se porte très bien. C'est bien. En pleine forme. Mais hein, ses coups de pied sont de trop. C'est bien. Il n'arrête pas. C'est normal. C'est normal. Il y a des détails dans mon ventre. Hey. Tout ira bien. Mais tu n'es pas allée au marché? J'espère que tout va bien. Ma chère, pourquoi devrais-je stresser autant? Regarde-moi, je suis aussi forte. Je dois me reposer. Ce n'est pas tout le temps qu'on va chercher l'argent. Je t'ai toujours dit de te reposer. Donc, Né, je t'apporte un remède. Quand tu l'auras pris, ton bébé va te donner des coups à cœur et à cœur. T'inquiète, c'est là. Hey. Moyen. Bon cœur, bon cœur, bon cœur. Oui, c'est un non, bon cœur. Ce n'est pas censé être bon, hein? Ma épouse, jolie femme. Merci. C'est normal. C'est mon devoir de prendre soin de toi. Je dois prendre soin de toi. Homme sage, le frère de mon mari, Odo, me hait tellement. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que tu veux? Homme sage, je veux que tu fasses en sorte qu'il court après toutes les jeunes femmes du village. Oui, c'est ce que je veux. À bientôt. À bientôt. Eh bien, c'est fait. Femme, tu peux partir. Merci, homme sage. Merci. À bientôt, Guidi. Oh. Pardonne-moi. Santo. Je t'ai lancé l'esprit de bagarre et le bégaiement. S'il te plaît. Je l'ai fait pour que aucun homme ne vienne demander ta main à un mariage. Miko, moi. Homme sage, tu ne m'as pas dit qu'elle allait mettre au monde des jumeaux, deux enfants. Homme sage, deux. Ah, je veux que la fille soit folle. S'il te plaît. La rivière ne coule pas dans la forêt. Sans renverser les arbres. L'esprit de la fille est très fort. Ok, ok, homme sage. Qu'allons-nous faire maintenant, hein? Je pense qu'on devrait la rendre bègue. Aucun homme ne voudrait épouser une bègue. Oui, qu'elle soit bègue. Abio, Guidi. Qu'elle soit bête. À bientôt, Guidi. Femme. Homme sage. Tu devras apporter deux chèvres blanches vierges. Et... trois cafards vivants pour le sacrifice. Homme sage, deux chèvres vierges, vierges. Je peux voir que tu n'es pas encore d'accord, homme sage, pas de souci, je vais le faire. Merci, homme sage. À bientôt, Guidi. Je reviendrai. Pardonne-moi. Si je te fais haïr Santo et son frère. J'ai transféré ma haine chez toi pour que les gens
Ne me suspecte pas. Pardonne-moi. Santo. Bico, moi, pardonne-moi. Moi, tu peux épouser Charity. Vas-y, marie-toi. Maman. Pardonne-moi. Ivedinam uge bonia. Hey! Je vois. Je suis en train de voir. Je vois. Je vois. Je suis en train de voir. Mais qu'est-ce que je fais là? Qui est là? Je vois. Spiritual, that is what we're seeing. Kenneshi, c'est toi? Ah oui, c'est moi. Hey, Kenneshi, c'est toi? Tu es en vie? Hey! On t'a cherché partout. Tout le monde dans ce village t'a cherché, y compris ta sœur. Où est ma sœur? Oui, où est-ce qu'elle est? S'il te plaît, ramène-moi chez moi. Donc, tu me vois? Ah oui, chez moi. Tu peux me voir? Oui, je te vois. Tu peux me voir? Je suis content. Oui, on y va. Oui, on va y aller. Mais avant, allons chez Agada. Comme ça, on ira chez toi. Je veux que tu me ramènes chez moi. Je vais le faire, allons-y. Hé, hey, Kenneshi, tu peux me voir? S'il te plaît. Arrête de pleurer. Bico, moi. Aïe. Je vous en prie, pardonnez-moi. Bico. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Kenneshi. Santo. Kenneshi, c'est moi, ta sœur. Santo. Oh, Kenneshi. Oh. Attends. Je peux voir. Kenneshi, est-ce que tu peux voir? Oh, Seigneur. Kenneshi. Tu peux voir? Oh, Seigneur. Hey! Hey! Je ne peux plus voir. Mes yeux. Et où? Je suis aveugle. Hey! Hey! Aidez-moi, s'il vous plaît. Charity, s'il te plaît, viens m'aider. Viens. Où est Moby? Charity, viens. Où es-tu? Viens, s'il te plaît. Kenichu, j'ai j'ai entendu ta voix. J'ai entendu la voix de Kenichu. Kenichu, où es-tu? Mes yeux. Charity, viens. Où es-tu? S'il te plaît, viens. Kenichu, s'il te plaît, viens.
Tu ne croiras jamais ce qui s'est passé aujourd'hui. Peux-tu croire que ma belle-mère était derrière tout ça depuis tout ce temps? C'est elle qui était derrière mon comportement étrange. Elle a confessé tout cela aujourd'hui. Ma propre belle-tante m'a jeté au sort sans aucune raison. Je ne lui ai absolument rien fait. La question est, où est-ce que j'ai eu tort? Je l'ai servi. J'ai toujours été obéissante. Qu'est-ce que je lui ai fait? Je ne sais pas ce que je lui ai fait. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que je lui ai fait? Qu'est-ce que je lui ai fait? Calme, Somto, calme-toi. Pourquoi est-ce qu'elle m'a fait ça? Calme-toi. Calme-toi. Désolée. Calme-toi. C'est suffit. Désolée. Baba, Loumou. Jineke. Qui est-ce? Charité. Qui est-ce? Charité, Nyala. Charité. Kweboma. S'il te plaît, Charité, ne fais pas ça. Pourquoi? Je suis ta mère. Tu sais que tu es ma mère. Comment peux-tu être ma mère? Charité, s'il te plaît, je veux boire de l'eau. Tu veux boire de l'eau? Tu veux boire de l'eau? De l'eau? Donne-moi ma canne. De l'eau. Ouf ta bouche. Hey, ma fille. Bois de l'eau. Aïe. Bois de l'eau. Oh, je suis ta Comment mère. Comment tu trouves ça? Allez, bois de l'eau. Ne me Ouvre fais pas ça. Ouvre ta bouche et bois de l'eau. Ne me fais pas ça. Fille ou garçon? C'est un garçon. C'est un petit garçon. T'as qu'à écouter encore. Mon bébé. Écoute, tu me dis. C'est une petite fille. Hey. Ou alors un petit garçon. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues.